I'm not
Thank you.
I'm
Qu'on déverrouillerait voilà. Jamais. Mais non, mais excusez-moi les gars, mais c'est trop du lourd, Sam Blackster, que tu nous envoies tous les soirs, mon frérot. Big c'est up la à toi, folie. Toi, dis-moi. Bravo, big mec. Big up, frère, big up, big up. Mais excusez-moi, j'étais tellement pris dans le truc. Au début, c'était une blague potache, le truc devient tellement sérieux qu'il y a des gens qui nous regardent. Moi, je suis avec toi, Sam, je suis là. Je suis en délire, je suis en kiff avec mes amis. Salut les copains, ah, Sam, je suis en train de changer. Tu peux peut-être raconter comment ça s'est passé au début, parce que c'est quand même fou l'histoire.
Mais évidemment qu'on va raconter plein de choses ce soir. Sam, t'envoies du lourd. Je vous rappelle que Sam, dans l'ancien monde, avant la destruction et le nouveau monde que nous allons tous rebâtir ensemble, Sam était souvent DJ à la Mano Resident, mais surtout Sam est un punchliner de génie, c'est un stand-upper. Il était aussi dans l'ancien monde, dans mon théâtre, parce que putain oui, j'avais un théâtre dans l'ancien monde. Il y avait des billets réducts, on recevait des annulations, il y avait parfois des pleines, parfois des salles de 5 personnes, parfois des queues interminables à l'extérieur pour 30 personnes qu'on ne pouvait pas rentrer. Et Sam a géré depuis maintenant, je crois qu'il était l'un des premiers à créer l'Underground Comedy Club. Non, tu me dis le 10e, tu n'as pas été le 10e à créer non, ça. Non, 8 ans d'Underground, 8 ans, ça fait 8 ans. Voilà, 8 ans, il a été l'un des premiers à créer ce putain de plateau avec Sun Dembélé. Et là, avec Hassem qu'on embrasse, s'ils nous entendent, les frérots, vous êtes les bienvenus, un de ces quatre. Il a créé ça, donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est un artiste comme moi, qui a pris sur son temps pendant ce confinement. Je rappelle qu'au début, tout ceci est parti d'une blague potache, une blague potache de légumes, bien sûr, jeu de mots pour les plus anciens. Salut Laurent Roquier. Non, on peut pas commencer comme salut, ça, Eric. C'est pas ah si, les gars, je m'adresse à une cible de 26 à 55 ans. Ouais, bonsoir le théâtre des deux boules. Bonsoir Farid. Bonsoir madame. Voilà les gars. Bonsoir monsieur. Donc juste au début, ce qui était une ambiance potage pour mon anniversaire. Oui, j'ai eu un anniversaire car je suis né. Je ne suis pas virtuel. Tu peux me toucher. Et du coup, non, de pas, ça, je... c'était pour ma nièce. Ma nièce qui est médecin généraliste, cette pauvre chérie qui a fait des études pendant, je ne sais plus, 7, 8 ans, je ne sais pas. Elle est arrivée dans le chemin, dans le monde du travail, dans la vie active et boum, qui arrive le pangolin. Alors qu'elle n'est pas vétérinaire. Alors du coup, elle était au front, donc on a passé une soirée. Ce jour-là, elle était avec des internes en train de... Voilà, elle a écouté le truc, elle me dit « Putain, pourquoi t'en fais pas une émission de radio ?» Alors là, j'ai mis 2 heures, il a fallu que j'appelle mes copains pour les escroquer, pour leur expliquer qu'à la sortie, il y aura un petit billet et tout ça. Donc du coup, j'ai rassemblé les compétences, j'ai rassemblé du charme, j'ai rassemblé... Et du coup, les enfants, on s'est dit « On va se le faire tous les soirs. » Et on était 6. Alors évidemment, hein, ça tournait en rond, parce qu'évidemment, on était qu'avec les mêmes copains. Plus Jacqueline, qui est là-haut, qui n'entendait pas parce qu'en même temps, regarde Netflix, La Casa de Papel, qu'elle regarde en espagnol, sous-titré en turc. C'est ma mère, Jacqueline. Il a fallu que je lui explique qu'effectivement, le truc était compliqué, mais qu'avec les dialogues français, peut-être, elle pouvait comprendre La Casa de Papel. Donc voilà. Et donc, de ça, c'est devenu une blague potache. Et du coup, vous avez agrandi ma communauté. Je sais qu'on est en confinement. Attention, ce n'est pas grivois, ce que je viens de dire. Et du coup, 2-0, nous sommes partis maintenant à 400 personnes qui nous regardent en live. Mais attention, le replay explose parce que c'est aussi en replay après le live. Donc l'idée, comme c'est interactif, venez nous rejoindre à 21h30. En plus, Sam Blackster mix en direct quand on ne coupe pas les droits. Pascal Nègre. Même en replay, je mixe en direct, pour dire. Et donc, juste pour vous dire que c'est devenu une émission, vraiment, on a fait une émission. Alors, c'est une émission de télé qui se regarde comme de la radio. Et c'est une émission de radio qui s'écoute comme de la télé, sur vos plaquettes, sur vos ordinateurs. On est avec vous. Vous nous avez donné du kiff. Alors, au début, c'était une bande de copains, mais il y a plein de gens qui nous rejoignent. C'est super, vraiment merci. Et du coup, c'est du toujours coup, une bande coup, de taisez-vous, copains. Taisez-vous. Je vous demande de vous arrêter. On a perdu le soir, et ça donc, y est. En fait, et donc, mes amis, chers amis, on a décidé, comme nous sommes altruistes, encore une fois, que pour contribuer à l'effort de guerre, nous avons créé une cagnotte pour aider les artisans à fabriquer des masses. On va vous l'expliquer tout à l'heure parce que moi, n'étant pas altruiste, moi, je suis que sur ma gueule. Je fais cette rubrique, évidemment, pour ameuter les gens. Non, évidemment que je rigole. Non, mais vraiment, on a aussi envie de contribuer à ça. Donc, du coup, eh bien, il y a Florent qui tape à la porte. Pourquoi il est parti ? Boule, tu t'en occupes. Bref, voilà. Donc, merci à tous. Dès ce soir, on vous explique qu'il y a une cagnotte du cœur et toute chaque semaine, on reversera. Voilà, notre invité a déjà fait un don tout à l'heure. Je la remercie. C'est un big up. C'est un amour d'être humain. J'allais dire le sexe. Oui, c'est une femme. Je vous la présenterai d'ici 3-4 minutes. Et elle nous fait le plaisir d'être là ce soir avec nous tous. Donc, merci à tous de nous suivre. Le replay, donc, on est à fond dessus. Mais évidemment, on m'a dit tout à l'heure, ouais, mais sur le replay tout à l'heure, moi, j'ai joué sur le replay. Et tu m'as dit, ouais, mais j'ai pas obtenu de réponse. Et c'est normal, parce que c'est un replay. Donc en fait, plus vous jouerez en live, plus à peu on pourra s'amuser au replay. Juste un petit truc, Ambre Ferrand qui est là-haut va s'occuper d'Instagram. Je m'occupe de Facebook. Ambre, c'était pas prévu, c'est comme ça, c'est l'improvisation. Donc, parce que je suis tout bien équipé. Donc, salut à toi Aude, salut Xavier Caille, salut Nicolas, bienvenue. Salut Jean-Louis Tribe, salut à tous les copains d'être là. Merci à toi que je ne connais pas non plus. Je vous passe la parole à vous Ambre Ferrand. Salut les copains. Salut. Je suis contente de vous voir. Ah ouais, salut les gars. T'es belle ce soir. Bon, déjà Sam, merci. Merci pour ce soir. Pourquoi ce soir? Compliment, c'était belle ce soir. Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait dire en haut au type avec la casquette Tricorne?
que finalement le bac est annulé, c'est pas la peine qu'ils révisent, qu'ils se concentrent pas autant, tout va bien. Sam, j'avais l'impression d'être sur une plage à Ibiza, tellement c'était énorme. C'était énorme. Merci pour ce moment, c'est magnifique. Mes chéris, quelle évasion. Attends, Homme, je te repasse la parole. Mais Sam, tu nous donnes de la patate avec cette musique. Mais tu as vu comment on s'ambiance? Tu as vu comment tout le monde a envie de bouger? Imaginez le premier jour de l'ouverture de la boîte de nuit que j'ai achetée à Calvi, en Corse, en ruine. Eh bien, je vous invite tous. Ça va être pas une house party, les gars. Ça va être une house party. Si c'est à Calvi, je suis résident. Je déménage là-bas et je reste à vie. C'est clair. Calvi. C'est clair. Bon, les gars, moi, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Donc, effectivement, Eric. C'est bon, tu me laisses la parole maintenant. Eric, ta gueule. Ce soir, là, je sens que ce soir, il va falloir qu'on demande le temps de parole. Ça ne va pas être comme en politique. Je suis à 8 semaines de sexe non confiné. Je suis célibataire. D'ailleurs, Eric, il faut que tu recules ton micro quand tu parles. Eric. Ça grésille. Bref, je respecte donc, pas Pif. Ouais. Pif, notre réalisateur, big up à Pif, il réalise en deux là. Big je up. Mon micro. Big up Pif. Je vais y aller. Le bricolage prendra toujours le dessus. Hein. Ah, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Attention, dans 2 minutes, je quitte la salle. Plein de choses à vous dire. Déjà, merci aux internautes de vous connecter avec nous. Vous êtes nombreux, grâce à l'invité beaucoup. Vous êtes tous en attente, elle arrive bientôt. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Restez avec nous, surtout si vous voulez interagir avec nous pour les jeux, pour les quiz, etc. Je serai votre parole sur Instagram, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à jouer, à donner vos réponses et je jouerai pour vous, je donnerai votre nom et vous avez peut-être des places à gagner pour le théâtre lorsqu'il l'ouvrira à nouveau, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à jouer avec nous, venez avec nous, rejoignez-nous, mettez-nous le feu, ça va être génial. Et un autre point sur lequel je veux insister, à partir de ce soir, d'aujourd'hui en tout cas, on a ouvert une cagnotte, les enfants. Là, c'est, je prends un air plus grave parce que c'est sérieux. On a ouvert une cagnotte parce que nous aussi, on veut contribuer, mettre notre pierre à l'édifice concernant ce Covid-19 pour apporter des sommes, de l'argent à des jeunes artisans. Oui, mais quoi? Non, d'ailleurs, si je peux me permettre, parce qu'on en parle un peu, on vous expliquera, il y a une rumeur qui court, on vous expliquera qu'est-ce qu'est le Covid-19 et pourquoi vous êtes là, parce que finalement, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Voilà, c'était sérieux là, là c'est sérieux. Donc, on a ouvert une cagnotte sur Litchi, vous trouverez cette cagnotte dans la bio de Instagram ou sur le lien sur notre page Facebook. Donc, on veut aider les petits artisans, donc les petits comme nous, à pouvoir aider les hôpitaux, donc les gens qui fabriquent des masques, toutes sortes de choses qui sont dans l'action la journée, qui donnent à manger aux personnes âgées, qui vont faire les courses, qui donnent à manger aux SDF, toutes ces personnes-là qu'on n'aide pas finalement, parce qu'on aide beaucoup effectivement les hôpitaux, etc. Mais ces gens-là aussi ont besoin d'être aidés. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette action-là, n'hésitez pas à nous rejoindre pour en parler et on récolte des fonds pour tous ces gens-là. Donc, venez nombreux, allez récupérer le lien de cette cagnotte Litchi sur notre page Facebook ou dans la bio de notre Instagram. Venez nombreux, on a besoin de vous et éclatez-vous avec nous. On est là, on va s'éclater, tout ça dans la bonne humeur et voilà. Merci à vous. I have a dream. Bravo Ombre, bravo. Incroyable. Et yes. En plus, sans aucun mec qui te coupe. C'est quand même juste génial, cette espèce de communication. Salut à toi, Jérémy Ombre. Frétas. Salut à toi, Jérémy. Salut Sam Blackster. Hein. Ah ben, il est là. Salut, Jérémy. Pourquoi tu es filmé comme ça? Bisous, salut. Bisous. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, mon boule? Je retire mon micro, Pif, excuse-moi. Pas mal de petites surprises encore, comme tous les soirs. Mon talent le plus absolu qu'on fera incroyable, au milieu de l'émission. J'ai surtout une invitée du bout du monde, comme tous les soirs. Bien sûr. Ça arrivera après 22h. On a un petit indice. Il y a un petit indice juste dans ta case à gauche. Il y a un petit indice au milieu de l'écran. Elle nous vient de Tarifa. Elle tient un club de kitesurf au sud du Maroc. Donc on essaie de voyager. Hier, on était à l'île Maurice. Non, ce soir, on va à Tarifa. C'est en Espagne. Ce n'est pas du tout au sud du Maroc, c'est en Espagne. Mais c'est au sud. Non. Ah oui, t'as raison, excuse-moi.
Excuse-moi, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. bon appétit, Rip Curl. Bon appétit, monsieur Rip Curl. Merci pour la musique. Qui est avec... Je sens que cette émission va me plaire ce soir. C'était trop beau hier, ça s'est trop bien passé. Sinon, par rapport à la cagnotte, moi j'ai un truc à dire de très sérieux aussi. Vous pouvez très bien participer chez nous, mais sachez aussi que les putes de Toulouse qui sont confinées ont mis une cagnotte en ligne aussi aujourd'hui, donc on est raccord avec elles. C'est la vérité. C'est une vraie info que j'ai lue ce matin. C'est vrai. Je te jure que c'est une vraie info. C'est une vérité. Évidemment, les pauvres, elles vivent de ça, comment tu veux, bien sûr. Actu Toulouse, coronavirus, confiné, privé de revenus. Les prostituées de Toulouse lancent une cagnotte en ligne. Elles ont du mal à joindre les deux bouts. Bah oui. Boule. J'ai envie que ça n'a jamais été aussi vrai que de dire « C'est pour ça qu'on l'appelle Ville Rose. » Voilà, c'est ça. Bien sûr, Nicolas, bienvenue. Bien sûr, Nicolas, bienvenue sur la tranche. Toujours sur la tranche, frérot. Pardon, Sam. Non, mais je t'en prie. Oui, Boule, vas-y, frérot. T'as autre chose, Boule ? Je crois qu'il faut avancer. On va bientôt aller voir du côté de notre petite licorne ce qui se passe, non ? Alors, on avance de notre petite licorne, bien sûr. On avance parce que ce soir, mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire un teasing. On en peut plus. Déjà, d'ici la fin, peut-être que. Pardon. Voilà. Bah, je vais m'amuser à te couper, tiens, tout. Voilà. Toute la soirée. C'est ma vie. Tout le monde pour le teaser. Tout le monde. Tout le monde. Sur Insta. Vous pour moi. Sur Insta, attention, les gens s'impatientent. Mais oui, bien sûr. Alors, les enfants, mais c'est ça le teasing. Je vous annonce un truc, les chroniqueurs, parce que moi, j'ai Facebook Live. Je vous rappelle, je vous appelle l'arrivée de El Général. El Général est dans le secteur, les gars. Attention, El Général est dans le secteur. Salut, El Général. Ça, c'est la force tranquille qui nous aide, sachez-le. Les enfants, son prénom sonne comme un film de Walt Disney. Ça aurait pu être Nadège des Neiges. Elle est là ce soir avec nous. Elle est venue en licorne, peut-être en Uber, peut-être à dos de chameau. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle nous fait l'honneur, la gentillesse, la présence de nous illuminer chez vous. Vous aurez la 5G dans 2 minutes. Je vous demande, les chroniqueurs, peuple de France, planète du monde, de vous lever et de faire un triomphe pour Nadège Lacroix. Salut Nadège, welcome dans la room. Nadège. Salut Nadège, il faut que tu te démutes, chérie. T'es muté. Elle est blonde. Nadège, je te connais. Tout ça a été une mise en scène, une introduction. Je suis sûr que tu as un coach derrière qui te dit voilà, coucou ma belle, comment ça va ? Ça va, au taquet. Il m'a ambiancé, je dansais comme une gogo danseuse devant mon miroir. Ah ouais, c'était trop bien. Et toi qui connais du monde là dans le machin, il faut absolument que ce garçon réside quelque part. Il faut lui filer un coup de main parce que c'est pas possible. C'est incroyable que personne ne connaisse Sam Blackster. Mais après la fin du confinement, ce sera fini. Voilà, vivement qu'il y ait de nouveau des boîtes et des théâtres ouverts. Hein, c'est très sympa. Dis-moi, il est bizarre. Il est sympa ton sextoy. Il a un prénom. Il s'appelle Henri. C'est ma licorne. J'en ai plein partout. Mon mec déteste ça. Ah. Merde. Regarde comment c'est joli. À chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle dans ma vie, je prends mon petit boule à neige et je la retourne. Et après, je me dis qu'il n'y a rien de grave dans la vie parce que tout s'arrange toujours tout le temps. Mais alors, est-ce que tu as fait ce processus ? C'est beau, Nadège. Bravo, Nadège. Est-ce que tu as fait ce processus quand moi, je t'ai appelé pour te dire que tu vas participer à la mission ? Non, je sais que tu as un grand cœur et un grand sourire et que tu fais ça pour la bonne cause. Donc, on est grave content d'être là pour ça. Bisous. Nadège, je vais te poser les 3 petites questions parce que les gens, là, il y a plein de réactions. Plein de réactions sur toi. Ils sont très contents de te voir. Donc, d'abord, la question… Coucou. Tout le monde t'embrasse, question... Nadège. Tout le monde était impatient de te voir. Tout le monde est content. Alors, cool. Nadège, sache que tout à l'heure, comme je pique tout à tout le monde, mais c'est moi qui écris les contenus, mais je ne trouve pas les thèmes, on va faire une sorte de burger quiz de la mort que j'ai appelé le quick and toast du plus amer qui tue. Et tu joueras avec un internaute. Et attention, c'est sérieux, tu auras un joker. Et la personne pour qui tu joueras sur les internautes gagnera une initiation au kitesurf à Tarifa quand le nouveau monde sera rouvert. Alors attention, ce sera très concentré. Génial. Attention Nadège, on t'a à l'œil. Nadège, mon bébé. Je ne suis pas très bonne en surjouer, mais sinon ça va. Nadège, alors t'inquiète pas. T'auras un joker. Est-ce que tu penses… T'inquiète pas, t'auras plein de jokers. Nadège, cool. Nadège, est-ce que tu penses que j'ai une gueule de culture générale? Non, là on dirait un peu un mec de YMCA, mais…
Eh ouais, c'était moi, j'étais au club Dorothée, j'étais stagiaire, je suis revenu les copains. Nadège, j'avoue. Nadège, ma chérie, juste des petites questions pour les internautes, pour moi, pour nous, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se connaît très vaguement, mais on a des projets artistiques ensemble, et ce pangolin nous a éloignés. Dis-moi, où est-ce que tu es confiné? Bah, je suis à Genève, confinée à Genève. Non, bah, ça va. T'es confinée à Genève. Dis-moi, comment ça se passe le confinement en Suisse à Genève? Parce qu'on fait le tour du monde un peu, je te pose des questions. Parce qu'en France, tu sais, en France, je ne sais pas si tu regardes les actus, mais c'est tellement anxiogène et on est tellement sur la France qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe ailleurs. Alors, je t'explique que moi, je sors avec un garçon qui est très, très intellectuel et qui regarde le téléjournal italien, suivi du téléjournal suisse, suivi du téléjournal français. Non, mais ça, c'est parce qu'il se fait chier avec... ça, c'est parce qu'il se fait chier avec toi. C'est pour ça qu'il regarde autant de trucs. Oui, peut-être. Je vous demande de vous arrêter. Pardon, c'est que de l'amour, Nadège. C'est que de l'amour. J'en ai perdu mon casque. Oh, venant de toi. Non, et du coup, je suis très au courant de tout ça. Et en fait, en Suisse, si tu veux, tu peux encore te déplacer. Par contre, maximum de 5 personnes. Ah, ça va. Mais voilà, ils limitent vraiment énormément. Non, bah, c'est un confinement comme, vacances, quoi. Oui, mais en fait, le truc, la différence entre les Parisiens qui sont très rebelles dans l'âme et les Suisses qui sont très obéissants, et ben du coup, voilà, il n'y a pas autant de problèmes que ça. C'est quand même très respecté. Enfin, je pense plus ou moins également à la France qui, eux, ont des amendes et des attestations de sortie, etc. Dis-moi, Nadège, acouphène, c'est adorable, on voit ce que tu manges, mais si on pouvait éviter d'avoir le son. C'est ça, les joies. On est en train de créer un nouveau concept. Nadège, c'est de l'artisanat. Hein. Ah ben, c'est sûr, on se marre. Ma chérie, à part cette jolie licorne, avec qui es-tu confinée? Eh, moi, tu me parles pas comme ça. Alors, Sam, j'ai pas entendu sa réponse, pardon. Avec qui, Nadège? Avec mon ours brun. Oh, oui, je le connais, je le vois sur les stories. Il aurait pu être dans le casting de Viking. Il aurait pu être dans le casting de Viking. Ça toujours ton coquin. Tu la sors d'où, celle-là? Bah, tu sais, c'est le confinement, tout le monde craque. Hein. On sort des trucs, hein. Moi aussi, je vais vous sortir des trucs. Nadège, ma chérie, pour tous les gens qui t'aiment, pour nous aussi, pourquoi pas, on est en confinement encore un petit moment, donc on a des temps à passer. Au lieu de passer des cours tout le temps sur YouTube, il y a un peu de culture. Est-ce que tu aurais un livre? Alors, pas forcément que tu es en train de lire, mais que tu proposes, voilà, que tu as envie de dire aller aux gens qui t'aiment pour lire un truc intéressant et qui soit un peu long, parce que 3 pages, évidemment. T'es la reine du teasing, t'es la reine du teasing. Qui eût cru que j'avais ne serait-ce qu'un livre dans toute ma maison? On ne le voit pas, chérie. Attends, Nad, on ne le voit pas. Approche-le, c'est… C'est son plan, c'est son plan. Pour que je sois la dernière. D'accord. Okay, c'est super. C'est qui? C'est Murad, c'est ça? C'est Nadia Murad, exactement. Ah, bon, embrasse. J'ai pris ce livre et j'ai pas encore commencé, mais je dois absolument m'y mettre, voilà, parce que je trouve que, enfin, il y a tellement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les histoires vraies, que ce soit dans les films ou que ce soit dans les livres, j'ai besoin d'humains, et en fait les seuls livres que je lis, c'est les histoires justement des gens qui sont des histoires dures, des histoires belles, et de, enfin, voilà, ce qui donne de l'espoir, et avec des messages comme quoi tout est possible et qu'il faut... Faut oser, il faut se barrer quand on est avec un connard. Voilà. Ah, ça, c'est un bon message, ça. On salue, évidemment. Je rappelle que pour les femmes qui ont des problèmes de conjugaux, vous pouvez appeler le 3919 si vous êtes avec quelqu'un qui vous tape dessus pendant le confinement. Ouais. Bien joué, Nadège. Dis-moi, Nadège, bravo, ma chérie. Est-ce que tu aurais une série à conseiller en temps de confinement? Ah ben, Viking. Alors... Écoutez les gars, tu veux que je te spoil la fin? Est-ce que tu veux que je te spoil le dernier épisode? Non, mais bien sûr. Je sais pas, elle a pas dit la série encore. Jamais. Là, vous êtes pas joueur. On n'entend plus Nadège, les gars. On n'entend plus Nadège. Vous m'entendez plus? Si. Non, mais parce qu'il parle par-dessus. Donc, moi, je t'écoute. Alors, non, je t'explique, tout le monde t'écoute. Ambre commence à prendre la confiance, elle pense qu'on t'entend pas. Donc, la meuf est là, elle a un gros plan. Ça y est, ça va, c'est 5 jours, il lui faut du temps. Ambre, je la connais très bien. 5 dates, c'est
dit, elle a le contrôle, c'est elle qui s'amuse. Girl, girl, girl power, Nadège, girl power. Avec Eric. T'es vraiment un sale petit con, hein. Oui, Sam. T'es vraiment un sale petit con, hein. C'est pas faux. Ma mère me le dit tous les jours. Non, Nadège, ne t'inquiète pas, ma chérie, on t'entend très bien. Seulement, comme on est sur Raoult, c'est machin, parfois il y a des petits décalages. Mais si on n'entend pas, t'inquiète pas, je suis la tour de contrôle et je vous ferai répéter. Pardon, la série, donc Viking, tu nous disais. Bien oui, sûr. j'aime trop. Il y a 5 saisons. Ragnar le Broc. Bien. Ragnar le Broc. Mais alors. C'est imprononçable, ce nom. T'en es où dans Viking? Tout ce qui est sur Netflix. Moi, je suis une accro de Netflix, donc j'ai vu tout ce qui était sur Netflix. Il te manque la dernière saison. Faut que tu regardes la dernière saison. Oui. Et alors, figure-toi qu'à la fin. La télé. Je suis navré, Sandrine. Je suis désolé, vous avez été Blackster. Pour baiser. Blackster, l'adolescent. Oui, alors il y a pas de S à Blackster, mais je veux bien, ok. Ah, je pense qu'il a fait un petit truc entre l'adolescent et l'enfance, l'adolescent. Bon, tu sais, c'est un peu, c'est cultivé, c'est Toulouse, en bas, c'est la ville de Nougaro. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Eh bien, ça tombe bien, il y a un replay. 3 heures, alors. Et puis, si tu veux, tu as la replay. Oui. Exactement ce que je viens de dire, donc on s'écoute bien. Alors, écoute, Nadège, est-ce que tu aurais un film anti-anxiogène à nous conseiller? Mais même si c'est un film qu'on a vu 100 fois. Hein. Moi, j'en ai deux. J'en ai un américain et un film français. Qu'à chaque fois que je suis en dépression, que je me suis fait larguer ou qu'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans ma vie. Ou que tu fais une émission de merde, par exemple, après tu vas le regarder. Ouais, vas-y, c'est quoi? En finissant l'émission, tout à fait, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder Allumeuse. C'est un film avec Cameron Diaz. Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair, c'est ça? Exactement. Drôlissime. Ah, je les adore. C'est bon, avec la scène du piercing. Je suis très cucu, moi, tu sais, histoire d'amour à l'eau de rose et tout, c'est mon grand kiff dans la life. Donc, du coup, j'adore ce film. Et le deuxième, personne ne connaît ce film, c'est Bimboland. Bien sûr que je connais Daniel Zetoun. Daniel Zetoun avec Depardieu. Il y a Depardieu, Boujna, Ariel Zetoun, bien sûr. Judith Godrèche, c'est ça, ouais. Et j'avais croisé la jolie rousse, tu sais, qui fait le rôle principal. Mince, comment elle s'appelle? Audrey Fleurot, non? Judith Godrèche, non? Non! Horatica? La Rousseau! Horatica! C'est ça! Je l'avais croisée dans un festival de cinéma et je lui avais dit: oh, je vous aime trop! Elle m'avait dit la vérité si je mens, je dis non! Bimboland! Et enfin, Nadège, s'il y avait une chanson dans le monde depuis que la chanson existe, quelle serait-elle? Quelle serait la chanson qui représente Nadège Lacroix? Attention, je chante très mal. Vous êtes prêts? Non, mais je ne te demande pas de me la chanter. J'ai envie de continuer l'émission. Je veux juste que tu me donnes le titre de la chanson. Moi, je pense. In a Barbie world. Écoute. It's fantastic. You can brush my hair. Cadeau. And dress me everywhere. Tu me lâches, moi j'aimerais bien. Salut François Picardie. On est avec la régie de François Picardie ce soir. Ça va les gars? Ça va et toi? La forme? tu l'as mon grand ou pas? Bien sûr, je l'ai. Attends, bouge pas. Je l'ai dans. Alors, en attendant, Nadège, il faut que tu sur, en fait, sur Insta, on te voit pas bien. T'es coupé comme ça. Donc, il faudrait que tu remontes ta caméra. Voilà. D'ailleurs, ça parle de couper. Demain, on fait un bon pessard à tous nos amis juifs. Je suis à moitié juif, je me permets. C'est pas une vanne, c'est vrai. Alors, pour bien écouter, il faut muter pour les autres. Mais non, ça va, on a entendu. Là, super. Voilà, Nadège. Nadège, merci. C'était une petite introduction. On va aller très vite. Pour écoute, on a un petit coup de cœur tous les soirs. J'offre l'antenne maintenant qu'on a du monde qui nous regarde. Je me dis pas pourquoi pas. Donc on a un garçon qui s'appelle Akoufen que Sam Blackster nous a déniché parce que Sam sortait la nuit dans le monde d'avant. Il allait dans des endroits un petit peu comme ça, underground. Il allait voir les nouveaux. C'est vrai, on s'est rencontrés là. Les nouveaux talents. Et figure-toi que Akoufen, que tu vois là-haut, dans la case là-haut, dans la montagne, eh bien, figure-toi que c'est un artiste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ses morceaux. Mais il y a un morceau qui n'est pas encore sorti, donc il faudra que tu sois tolérante là sur l'acoustique du son, parce que c'était en pleine prépa. Il allait enregistrer, et puis le pangolin l'a mis au point. Donc du coup, eh bien moi, je veux que ce morceau devienne viral, parce que quand il va sortir, ça va être génial. Ça s'appelle « Comme d'hab ». Donc, je vais te demander, Nadège, « Comme d'hab ». Donc, je vais te demander, Nadège, et tous les chroniqueurs, de se mettre sur mute.
on va donner la parole à notre ami et on écoute la chanson de Comme d'hab. À tout de suite. Comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne ? Je ne vois personne, les gars. Je ne vois personne. D'accord. Alors, écoute, si tu nous entends, tu peux y aller parce que nous, on te voit, mec. On te voit. On te voit, on t'entend. OK ? Et comment s'appelle le tu peux y aller. Ressemble à un âne. Allez, on y va. Petit problème de liaison. Ah, vous me voyez ? Le mec est... Ah oui, oui, oui. Ouais, on te voit. On te voit bien, oui, oui, oui. On te voit, t'es en chiffre. Aller, mec. Vas-y, j'ai perdu. Vas-y, j'ai perdu 17 spectateurs, bordel de merde. Tu peux y aller. Allez, mon grand. C'est à toi quand tu veux. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, notre chien. C'est parti. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Tu viens d'acheter le bon tant pis. Hein ? Oui. Yo, je me lève avec une mélodie dans la tête. Je vais essayer de la partager avec mes sauces. Tant qu'elle n'est on peut. Aïe, 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 aïe. On va couper. Michael Jackson, le médicament a donné naissance à ma vie. On reconnaît. Mon frérot. On t'entend pas, mon frérot. On t'entend pas, mon frérot. Je suis désolé. On va commencer. Il nous voit pas. Je peux pas l'arrêter. C'est une catastrophe. Le mec continue. On peut pas l'arrêter. On n'entend rien, mon frérot. Je suis désolé. On n'entend rien du tout. C'est une mauvaise connexion. Il faut que tu sors de la discussion et que tu reviennes, Akoufen, s'il te plaît. Écoute, pas de soucis. Sors de la discute. Reviens et on va faire le morceau. C'est normal, les gars. Moi, la connexion que j'ai, c'est une connexion. Malheureusement, on l'a perdu. Bon, c'est pas grave. Il nous la fera tout à l'heure, c'est pas grave. Très bien. En attendant, Sam, que tu prépares ton Sam Mix Black Person spécial Nadège. Nadège, je vais te poser des questions comme ça, genre de famille, dans des situations, et tu dois me dire qui, d'accord ? Qui se veut vegan dans ta famille, mais saute sur le foie gras à Noël ? Attends, j'ai pas compris la règle. Il faut que je dise quelqu'un dans ma vraie famille ? Oui, genre, quand t'as... Ouais. Oui, ton papa, ta maman, t'es pas obligé de balancer. Mais vous les connaissez pas ? On s'en fout, c'est pas grave. Moi, c'est... Par exemple, moi, je sais que c'est mon père. D'accord, ouais, bah, ok. Ma mère. Ta mère, d'accord. Oui, ça, mon égo. Je vais être vegan, mais elle reste pas. Pardon ? Excuse-moi ? Je dis, ça fait 15 fois qu'elle essaie de se mettre vegan et toutes les deux semaines, elle repousse n'importe quoi. Bon. Sam Blackster, est-ce qu'on est bon pour notre... Ah, peut-être la couffée, non ? Là, c'est bon, hein, mais voilà, je peux pas faire mieux, quoi. Mais c'est pas malade. Hey, détente, frérot, tout va bien, on est en famille. On est vu que par 3 millions de personnes. Alors, vas-y, on se met sur mute, c'est à toi, mon grand, vas-y. Excuse-nous pour la galère, mais on y est là. Merci, Nadège, de ta patience. On y va, parce que ça vaut vraiment le coup. Bonsoir à tous. Aïe. Je me lève avec une mélodie dans la tête. J'essaie de la partager avec mes sauces. J'essaie d'inagir avant qu'elle n'exauce nos vœux. On veut juste faire la fête. Sortez-vous tête des écrans. Pour vous désabonnerez d'un gars qui n'a rien d'un étranger. Le café qui coule un klaxon. Ça roule, je jette une pièce dans du box à la Michael Jackson. Le métissage a donné naissance à ma zic mu. On reconnaît quand le beat tue. On a l'habitude que ça vous plaise depuis des minutes jusqu'au falaise. Il n'y a pas que les avions qui prennent de l'altitude. La Palestine est 25 ans. S'il faut que tu danses sur des sons d'un autre temps, on t'accompagnera même si l'on est dérisoire. Du son à l'origine de tes histoires. Avec mes potes, on fait de la musique devant l'ordi. Comme d'hab, oui, comme d'hab, oui, comme d'hab. On nous demande pourquoi est-ce qu'on a l'air endormi. Comme d'hab, oui, comme d'hab, comme d'hab. Avec le pote, on est toujours de sortie. Comme d'hab, oui, comme d'hab. Oh, oh, comme d'hab, oui, comme d'hab. Yeah, yeah, comme d'hab, oui, comme d'hab. À quatre sur un vieux Vespa, on ira côtoyer notre destin. On ne sait pas les
vais sur le tarmac droit. Que l'on sent notre attitude sera maladroite. Le leader est tatoué d'une lame à droite. Beaucoup de mes potes bourrés ne trouvent pas la droite. Mais c'est quoi, c'est pas grave. Trop de bebons, trop de bobons qui michelonnent. Ce n'est pas un drame. Au moins on est ensemble, c'est le principal. Chez nous, la bonne ambiance est syndicale. Wow, wow. Avec mes potes, on fait de la musique devant l'ordi. Comme d'hab, oui, comme d'hab, oui, comme d'hab. On nous demande pourquoi est-ce qu'on est endormi. Comme d'hab, oui, comme d'hab, oui, comme d'hab. Avec les potes, on est toujours de sortie. Comme d'hab, oui, comme d'hab. Wow, wow, comme d'hab, oui, comme d'hab. Yeah, yeah, comme d'hab, oui, comme d'hab. Wow, wow, comme d'hab, oui, comme d'hab. Comme d'hab, oui, comme d'hab. Nickel. Bravo, bravo mec, bravo, parce que c'est pas facile. On a des ouais. conditions techniques qui sont reloues et le mec il s'accroche et bravo mec, bravo. 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 Sam Blackster, si tu es OK, on va passer au Samis Blackster Soon, c'est-à-dire qu'on va passer au spécial Black Test, spécial Nadège, 5 chansons à trouver. Tout le monde joue, c'est maintenant, Jingle. Attends, c'est le Black Test musique qu'on fait maintenant, c'est bien ça, hein, on est bien d'accord. Non, pardon, excuse-moi, pour moi, c'est le Black Test. On va appeler ça le Blind Text. Qui veut faire le Blind Text, allez. On va passer donc au Blind Test Cinéma, c'est très très simple. Je vais envoyer des répliques de cinéma. Vous avez jusqu'à la fin de la réplique pour trouver le film, éventuellement l'acteur qui sort la réplique. Est-ce qu'on ferait des équipes, mon petit Rico? Eh bien oui, bien sûr que nous allons faire les équipes. Par contre, je pense que pendant le passage du son, tout le monde se met sur mute pour qu'on entende bien. Je vais faire des équipes, parce que ce soir, c'est le Girl Power. Je vais mettre Ambre avec Nadège et je vais mettre Boule avec Monsieur Acouphène. Très bien. Ambre, tu as également les internautes qui peuvent bien sûr jouer. On demandera les réponses internautes avant que Nadège ou les autres puissent me donner la réponse. Et Ambre, yes. je check Facebook, garde Insta. Voilà, juste oui, pour savoir, il oui. y a des répliques qui sont plus longues que d'autres. Donc voilà, il y a du film français, il y a du film américain, il y a un petit peu de tout. On a 5 extraits et ça commence de suite. Vous êtes prêts? Pardon, excuse-moi Sam, le premier qui met, lève le poing dans l'écran et je donnerai la parole après, si je le veux. Parce que finalement, on fait ce qu'on veut aussi. Bisous, à tout de suite, bon jeu. Extrait numéro 1. Oui, ça réagit. Vous êtes prêts? C'est parti. Allô? Lâche-moi, Maltès. C'est de la part de qui, monsieur? Passe-moi, Maltesse! Mais à qui ai-je l'honneur? Tu lui dis que le Turc lui transmet ses amitiés. Il y a un nommé le Turc qui te remet ses amitiés. Bon, un Turc. Passez-moi, Pauline! Non! Et tu lui dis aussi que je lui crève la gueule, que je lui déchire le bide et que je lui arrache les yeux! Ok! Moi, je sais, j'adore. Ouais, j'adore, c'est très, très bon. Je crois que c'est Boule qui a levé la main en premier. C'est sympa! Je crois que c'est le Boulet! Évidemment, le Boulet, bravo le Boulet. Tu as vu ce film? Tu l'as vu ce film, Nadège, le Boulet, avec Gérard Lanvin, Paul Vord? Ah pas du tout. Gérard Lanvin, et José Garcia dans le. Et Garcia, il faut. Alors bizarrement, c'est une comédie française à gros budget, mais il y a des passages qui sont mythiques. Ah ouais, il fait les pompes sur une doigt à un moment donné. Il est génial, c'est génial. Ce film est génial. Fais-le toi avec ton mec, c'est une grosse barre de rire. Vraiment, c'est très drôle. Là pendant le confinement, le Boulet. On va trouver ça. Et évidemment, on avait El General qui avait évidemment la réponse. Normalement, je pense que je parie sur El General qui va nous faire un carton plein sur ce blind test. Tu vas voir. El General. Allez, c'est reparti. El General, si tu gagnes, tu es demain dans notre house. Deuxième extrait, c'est parti. Tu te masturbes? Est-ce que je me masturbe? Ouais. Je me masturbe, ouais. Combien de fois par semaine? Peut-être 3 ou 4 fois par semaine, parfois plus. Pour faire mieux que ça, c'est un score de débutant de ma finance. Je crois que Boule encore est dans le secteur. Magnifique! Magnifique! Ouais! Le loup de Wall Street! Sam, si tu permets d'intervenir, je lance un petit jeu parce que je me fais tellement chier que cet après-midi, je me suis gravé un t-shirt avec la date de quelqu'un de connu. Vous avez jusqu'à la fin pour me dire qui est né à Lyon à cette date-là. Alors évidemment. C'est marrant parce que Eric, t'es tellement vieux que toi tu graves les t-shirts. C'est ça qui est marrant. C'est que voilà. Alors, je suis confiné avec ma maman qui est au-dessus. Comme elle se fait chier, je lui ai fait broder cet après-midi. Sachez c'est que
Alors, sachez tous là que vous allez aller chercher sur Google, évidemment, mais vous ne trouverez pas parce que je ne suis pas débile. D'ailleurs, internaute, soyez gentils, Nadège joue le jeu. Elle n'a pas d'ordinateur sur elle, elle n'a rien. Donc, n'allez pas chercher les réponses sur le truc parce que sinon, ce ne serait pas du jeu et vous iriez au coin. En 1900, c'est ça, le 29 juin 1900 à Lyon. C'est un jour avant moi. Moi, je suis né le 30. Tu sais quoi, Nadège? J'allais en parler dans ton portrait. Alors voilà. Très bien, voyez là, vous voyez ou pas? Ouais. Ouais, très bien. Le 29 juin 1900 à Lyon, en France. Voilà. Alors, on se met ça dans un coin de la tête. Alors, celui qui trouve, même si c'est entre vous là dans les cases, dans le prochain monde, je dois co-réaliser un long métrage. Je donne un petit rôle parlant. Je dis bien, même s'il faut que je l'invente. Quelqu'un, s'il trouve. Il triche, regarde lui, là, il est en train de regarder sur son téléphone. Tricheur. C'est pas grave, il ira à la régie, je vais faire des 4K. Il a triché, du coup, il a perdu, du coup, c'est moi qui ai le rôle. Voilà, le power. Vas-y, ça fuse, hein. Alors, troisième extrême, vous êtes prêts? On enchaîne tout de suite. Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche. C'est par là au fond. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. Nadège, réfléchis. Et on garde ce moment, c'est très très rare. Merci de nous offrir ce moment de télévision, Nadège. Ça fume, je suis pas équipé pour, merde. On fait un buzz énorme. On est à 1 million, il y a Michel Onfray qui vient de nous rejoindre. Bernard-Henri Lévy, quel génie cette Nadège, on l'entend. Nadège, celui-là, je te l'offre. Avec Acouphène, on vous l'offre, les filles, celui-là. On est gentleman. Pulp Fiction. Pulp Fiction, évidemment, Samuel Jackson. Ah, mais non, mais lui, au moins, je l'ai vu 3 fois. Mais concentre-toi aussi. Mais parce que, peut-être que tu l'as vu en version suisse. Oui. Avec l'accent. C'est pas pareil, Travolta avec l'accent suisse. Hein. Vas-y, ça prend. Sur Internet, ça dit quoi? Ouais. Là, El General. Il a tout depuis le début. Pulp Fiction, les gars. Bon, en fait, je vais vous dire la vérité. L'après-midi, je fais le conducteur avec El General. Si tu pouvais arrêter de me niquer mon émission. Parce que... Allez, quatrième extrait, on y va tout de suite. C'est pas vrai. Hein. Qui fait quoi? C'est moi le meilleur en italien, alors. C'est moi ton cavalier. Donovitz, c'est le deuxième meilleur. Il sera ton caméraman italien. Et Omar, c'est le troisième meilleur. Il fera l'assistante de Lee. Mais je ne pense pas italien. Ouais, c'est ce que je dis. T'es un génie. Suffit que tu fermes ta gueule. Je serai toi, je commencerai à m'entraîner tout. Okay. Alors, je change les règles. Boule, je te mets avec Nadège. Ambre, tu te démerdes avec Acouphène. Donc, ça fait 4-0, on est bien. C'est pas grave, hein. Inglorious Bastard. Et bien sûr, Inglorious Bastard. Elle est géniale, cette fille. Je le savais, j'allais vous le dire. Le général Lavé. C'est bon, Nadège, on est ensemble. On est à 4-0. Attends, pour la dernière. Attends, je l'avais aussi sur Facebook. Hein. Bon, alors, on va comparer. Alors, comment on fait après? On compare les heures de qui a répondu avant? Ça va être cotard. Les heures, je les ai pas, moi. Il y aura plusieurs gagnants. Il nous faut un huissier, c'est galère. Maître Vergès, allez, c'est parti. Attention, dernier extrait. Et Nadège. C'est parti. Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisée à sec par Freddy Krueger. C'est ça. T'as une gueule toxique. Tu me rappelles un rapport sexuel entre une courge et un avocat au mur. Ah, je sais pas ce que c'est, mais je vais le voir ce soir. C'est quoi ce film de dingue? Deadpool, évidemment, c'est Deadpool. Et vive, carton plein pour papa. Nadège Lacroix, je vous annonce que vous serez de gré ou de force dans le film, dans le Nouveau Monde. Slowface, je te le jure, ma chérie, ce sera pas le rôle principal, je peux pas te le garantir, mais je te jure, sur ma tête, sur la Torah d'Israël d'Istanbul, que tu seras là-dedans. Big up, t'as gagné grâce à Boule. Bravo, les amis. Merci, Boule. On se reverra sur le film, alors. Eric, on peut avoir un indice pour ta date de naissance ou pas? On peut avoir un indice sur la date de naissance? Oui, allez, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la date de naissance? Il avait deux métiers et il s'est illustré par deux métiers. Jean Moulin. Okay. Jean Moulin. Jean Moulin. Je vous laisse réfléchir. Okay. Et au fur et à mesure, je vais vous donner des indices un peu plus… Voilà.
hein, un peu okay. plus machin. Et d'ailleurs, là, je viens de faire n'importe quoi parce que si j'étais Hanouna, je me serais déjà fait virer. Le truc que je voulais qu'on gagne, c'était pour le t-shirt et pas pour ce jeu. Mais Nadège, tu restes quand même dans mon film. et pour le jeu, ben, je vous offre le t-shirt. C'est ma mère qui l'a fait, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pendu, on se retrouve avec le. On se retrouve à Toulouse avec le point boule qui va nous faire peut-être le point du boule. On va jouer au pendu. On va jouer bah, au pendu. C'est une émission qui est en hommage à Nadège. Donc, j'ai tourné autour de ton actu, enfin d'un peu tout ça. Quoi. Voilà, on se fait un petit pendu ensemble. Bah, vous jouez, vous balancez des lettres. On a tous joué au pendu quand on était petit. Le premier, on va faire celui-là. Ah, j'ai un générique. On embrasse Mylène qui nous suit sur les pads, 76 ans, toujours aussi vive. Allez Mylène. Alors, vas-y Nadège, c'est à toi. J'aime le beurre à la biscotte. C'était un indice, ça, j'aime le beurre à la biscotte. Je dois dire une lettre et après tu me penses, ça, si je fais trop de alors, fautes. Non, on va pas te prendre tout de suite. Alors, Nadège, sache que c'est un rapport avec toi, le mot. Hein. Oui. C'est trop court pour être Secret Story. Ah, je sais ce que c'est Splash, bim. Oh la vache. Oh là là là. Incroyable. Perfine, Splash. Ok, je me doutais qu'elle allait être sur le coup, donc j'en ai un autre juste derrière. Eh oui. Et voilà. Parce que c'est pas n'importe qui. Gardé. Allez, Nadège. C'est Splash. Non, c'est pas ça. Non. Allez, c'est attends, je peux jouer moi, Monopoly. Le 6. Bien sûr. Monopoly. Alors, Monopoly, déjà. Non, mais chérie, faut que tu donnes des lettres. Nadège, quand on va faire du cinéma, n'oublie pas que la première prise, parfois, c'est miraculeux. On peut en voir deux, trois. Là, tout à l'heure, tu as fait un carton plein. Demande une lettre. Oui, bon, d'accord. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je joue à fond. Un O. Un O, le O de Gérard. Il n'y a pas de O, Nadège Lacroix. On crâne moins d'un coup. Un A, le A de Léo. Il y a un A. Peut-être boule un indice. Un coup là. Non, ce sera trop facile sinon. Nickel, proche, magnifique. Balancer des un L. Un L, le L de Max. Un P. J'ai bossé. Un T comme Thierry, elle a dit. Tiens, le voilà ton. Le voilà ton. Tu pourrais des claquis. Non, mais t'avais dit que tu pourrais des claquis. Je sais pas. Mais t'avais dit qu'on ferait des claquis. J'aime trop. Bien sûr. Un I. Bien sûr. Un quoi? I. Un I. T'as compris le jeu, Ambre. Il est super pour faire ma chose. Hein? Blackster. Blackster, tu te réveilles là, c'est au top là. Regarde ce soleil que tu es devenu, t'es magnifique. Un H. Mais vous l'aidez pas, vous. Ben si, il y a un H dans ta phrase. Est-ce que c'est du français déjà? C'est en français ou c'est en anglais? Parce que Ali, qui est-ce qui finit par Ali en France? À part Mohamed Ali, enfin, tu vois. Genre. Bien. Personne n'a dit que c'était français. Enfin, il n'est pas français déjà, mais enfin, tu vois ou pas? Ah, donc c'est en personne n'a dit que c'était français, ça, c'est juste quelque chose qui peut te correspondre. J'ai une réponse sur le net d'une fan de. De 48 ans qui est à mettre au centre. On n'a pas entendu. J'ai parlé en même temps, les enfants, on n'a rien compris. J'ai une réponse sur le net d'une fan de Nadège. Ah, je sais, c'est Musical.ly. Oui. Bravo. Anciennement TikTok. Nadège, tu as un petit coup de Tomatilly sur Facebook qui te dit Nadège, je t'aime trop, tu es la meilleure de toutes, de tout mon cœur. Camille qui t'écrit, il y en a au moins une dizaine, je vais pas tous les faire, tout le monde te fait des gros cœurs.
On est sur Facebook Live. Gros bisous. Nadège. Ouais, j'ai même, il y a même quelqu'un qui te donne son numéro de téléphone au cas où. Hein. Ah, c'est moi, ça. C'est moi, pardon. C'est moi. C'est moi aussi. C'est moi aussi. Nadège, c'est le moment intime de l'émission. On va se retrouver face à face pour le trait pour trait. Tu vas muter et je vais te faire une lettre épistolaire, quelque chose d'un peu. C'est le moment en tendresse de l'émission. C'est ton portrait. Juste avant ce moment magique. Voilà. Donc, il va falloir que je brille beaucoup sur les jingles. On va le refaire parce que je veux mon jingle. Allez, oui. Il va falloir que tu te rebriefes sur le conducteur. juste avant ce moment magique, moi j'ai un. Attends, parce que là j'ai un délégué syndical qui me casse les couilles. Donc 21h, pendu de boule, 22h, trait pour trait. Merci. Donc Nadège, tu disais quoi, ma chérie? Reviens. Mute. Ah oui, il faut l'envoyer. T'es muté. Non, c'est qu'il levait la main. Alors, je disais, attends, il lève la main. C'est pas grave, c'est adorable. Non, c'est adorable, mais... t'inquiète. Là, tu vas passer un bon moment parce que t'as un super portrait à tout à l'heure. Tu sais, ma chérie, on se vanne, mais on s'aime tous. Hein. On se vanne à distance, c'est que de l'amour. C'est insupportable, mais on t'aime quand même. Allez, mute-toi l'étranger, c'est ton moment. Et je veux mon jingle en entier, parce que c'est Sam qui l'a composé ce matin à la flûte. C'est parti. Nadège Lacroix. Vous êtes né un 30 juin, comme Mike Tyson, ou Finkielkraut, ou Grotte, je m'appelle Grotte, Finkielkraut. Taisez-vous ! Pardon. Nadège Lacroix, vous êtes né sous le signe du cancer, sans métastase, dans la confrérie helvétique. Vous auriez pu être la sœur jumelle de Cameron Diaz, tellement vous kiffez cette actrice. Nadège Lacroix, vous pourriez être aussi la fille de Cendrillon et de la Reine des Neiges. Si François Hollande avait été président d'Euro Disney et autorisé le mariage pour tous. Sportive émérite, Nadège, vous aimez l'eau. Vous auriez pu devenir une sorte de Laure Manaudou. Tellement en attention, vous devenez un poisson dans l'eau, une vraie petite sirène. Ça aurait de la gueule tout de même, le mariage de Tic et Tac quand j'y repense à Disney. L'union de Pocahontas avec Baloo, ou encore Rox et Rookie, s'il demandait s'il veut l'épouser, en attendant sa Ray Pons. Aux côtés des sept nains, dont d'ailleurs Hatchoum a été viré à cause du coronavirus. En 2009, d'un cliché d'un clic dans Blic, tu deviens la première franco-suisse à poser pour un magazine. Nadège, tu vis très bien finalement ce confinement, car lors de tes nombreuses apparitions télé, tu étais déjà confiné dans une maison ou un loft avec une tripotée de confinés, des anges cloués parfois au sol par le poids de leur inculture, sauf toi qui faisais décoller évidemment par ta culture. Mais pas toi, Nadège Lacroix, tu déroges à la règle, tu es atypique, un peu comme si Mowgli se mettait à faire du ski de fond. Ton sens de l'acting déjà présent, ton envie de fouler les planches, ton QI plus élevé que la douzaine d'huîtres de Bigorneau présent te fait remarquer plus que les autres. C'est une sorte de tremplin pour toi, cette télé-réalité. Quand la brune siliconée te dira « Allô quoi ?», tu lui diras « Allô rien, on se retrouve sur Facebook, tu mettras ton pouce bleu bien profond où tu veux, ma chérie. » Après tout, juste retour des choses pour une pimbèche business girl de Dubaï qui t'a piqué ton faux frère avec qui t'étais en fait en vrai couple pour de vrai dans la vie, qui n'était pas vraiment du fait mais qui était du faux. En fait, on savait pas trop. Waouh, putain, donne-moi le 06 des dealers, des storytellers de l'émission de ton story parce que là, ils sont balèzes. Ton oui, devenu célèbre, séduise alors les spectateurs et tu sors vainqueur de cette 6e saison de Secret Story. Et ça y est, Nadège Lacroix, c'est parti, ta carrière artistique d'actrice peut alors commencer. Tu suis alors à fond le cours Florent. Sans jamais le rattraper parce qu'il court trop vite. C'est ensuite sous le soleil de Saint-Tropez, après une after story avec tes copines d'Hollywood Girls, que tu rencontres le mystère de l'amour, une sorte de friendship. Mais la concurrence est rude et tu te retrouves avec des Marseillais contre le reste du monde, dans une villa des cœurs brisés. Tu t'en fous ! Tu décides de faire le grand plongeon, donc splash ! En sortant de l'ONU avec ta nouvelle plastique, tu t'écris « Ciel, ma belle-mère ! » Tu éternues à cause du chlore. À vos souhaits, te dit-elle. Fière, tu lui réponds, je ne suis pas là pour vous enfumer. En tout cas, Nadège Lacroix, sache que tu n'as rien d'une michto ou d'une michetonneuse. Croix de fer, croix de bois, si je mens, je vais en enfer. Et sache que si tu viens de la télé-réalité où tout est quasiment fake, ta richesse de cœur et ton talent dans la vraie vie, eux, sont 100% vrais. Bravo. L'amour, c'est que de la...
Bravo. Ah, bébé. Bisous. C'est mignon. Bisous. Mais t'as vu, je suis quand même la seule meuf de télé-réalité à qui tu peux écrire un texte avec ton CV. Oh, dis-moi. Moi qui voulais vous demander de me côté. Bravo. Nadège, je vais te laisser en tête à tête avec le charme de l'émission. Ambre Ferrand, quand elle apparaît, si vous voulez, elle est tellement rayonnante que derrière nos écrans, on arrive à bronzer. Je te laisse avec la touche charme de l'émission. On donne un Lexomil tout de suite à Florian là-haut qui va pas bien du tout devant Netflix. Est-ce que tu veux que je te dise comment finit la Casa des Papels? Bon, Ambre, je te laisse avec Nadège et tu vas lui faire, c'est une question de rapidité, l'interview, dernier coup. Ma belle Nadège. Jingle. Ouais, Nadège, tu m'entends? Can you hear me? Ouais, yes, Nadège, je vais te faire une petite interview, donc l'interview de dernier coup. Il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible, okay. Ne réfléchis pas, allez, fais comme d'hab, Non, justement, réfléchis pas, c'est du tac au tac. Non, mais Ambre, comme je fais maintenant, je commence à connaître le métier, je disais comme d'hab pour appeler la chanson qu'on vient d'écouter. Bam, 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 bam. Comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab. Vas-y, ma chérie, à ta okay. Dernier coup, Nadège. Allez, alors Nadège, ton dernier coup de tête. À qui ou pourquoi? Les deux. Les deux, ce que tu veux. Non, mais Nadège, ma chérie, ça peut être aussi une envie. Tu as eu envie de faire un truc avant de faire un coup de tête. Ah, pardon, j'ai pas compris. Je ferme ma gueule. J'en ai rien à foutre. C'était ça, moi j'avais pensé que c'était le geste. Tu vois, non, dernier coup de. Dernière folie, quoi. Je veux m'acheter un pomeranian. Ah ouais. Ah oui, un petit chien magnifique, comme ça, une petite peluche. Plein de poils, mais qui coûte une blinde. Ah, on adore, ouais. C'est ça, on aime moins ça. Non, on s'en bat pas les couilles, je suis désolée. Ambre, ma chérie, Ambre, tu sais ce que j'ai entendu, moi? Des pommes de terre allemandes. Je ne comprenais pas. J'ai entendu des pommes de terre allemandes. Non, un pomeranian. Je ne sais pas où tu es confiné, Eric, mais apparemment, ils livrent encore les dealers. Hein. Speed up. Catastrophe. Il peut marcher au plafond. Speeder cochon. Allez, vas-y, on enchaîne. Alors, Nadège, ton dernier coup de cœur. Mon mec. Ah, oh, dernier coup de poil. Mignon. Ton dernier coup de poing. Bug style. Ouais. Ton dernier coup de foudre. Toujours mon mec. Je l'ai vu tout le monde hier. Bon. Ton dernier coup de stress, Nadège. Vous. Non. Tendu comme une crampe. Fallait pas, tu vois. Tendu comme une crampe. Si je te dis que t'es tendu. C'est pas tendu, c'est pas tendu. Je dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tendu comme un string. Ton dernier coup de fil, Nadège. Ma mère. Tout à l'heure. Ouais. Ton dernier coup de rouge. Dimanche. Ouais. Je m'en souviens encore. Je suis j'ai un pantalon comme ça. Ton dernier coup de soleil. Pas encore, j'espère après-demain. Ouais. Ah non, ton dernier coup de blouse. À l'île Maurice, je me suis cramé l'arrière des cuisses, j'arrivais pas à m'asseoir pendant une journée. Aïe, c'était quand ça? Nadège. C'était en janvier. Oui. Nadège, tu pouvais éviter à tous les mâles alpha blancs confiné seul, de faire ce genre d'anecdote. J'étais seul avec les fesses qui chauffent, je te jure, nous on est tendus, c'est super. Non, mais merci. Tu sais ce que j'ai fait comme une con, j'avais un, tu sais, les parasols comme ça, moi je me mets dessous, tranquille, on venait d'aller déjeuner, tu vois, je me dis bon, allez, petite sieste, sauf que le soleil, il bouge, donc forcément, les gens qui étaient à l'ombre, ben, ils sont plus à l'ombre quand tu te réveilles. Ça fait très mal, très très mal. C'est passé à ça de la kikette. Nadège, ton dernier coup de blues. Coup de blues. Ne pas sortir de chez moi. Ah ouais.
Ça... Ah, j'ai dû annuler trois vacances. Je suis pas une influenceuse, un peu faut errer ça, quoi. Oh non, Nadège, on va te remonter le moral. Attention à la question que tout le monde attend. Ton dernier coup de rein. Ah, c'était hier. Je suis navrée. Ah, Bonne cadence. Je suis désolée, vous avez été. Merci, Nadège Lacroix. Merci, ma chérie. Très bien, je suis une twerkeuse. On n'en doute pas. Et on va se retrouver à la Ville Rose avec le point boule qui va nous ouvrir la porte vers le monde. C'est un yes. Bon, c'est un beau boule, mec. T'es trop mon style, de mec. J'aime trop ton boule, de mec. J'aime trop ton boule, Merci pour ces jingles à chaque fois, ça tombe à point nommé. Nadège, avant juste, il faut que tu saches que j'ai un talent que personne n'a. J'écris les noms des gens avec des pattes alphabet. J'ai oublié son putain de prénom. Hein. Tu te souviens des pattes alphabet? Oui, tout à fait. Tu te souviens des pattes alphabet? Ah ben voilà, bon, je vais écrire ton prénom avant la fin de l'émission avec des pattes alphabet, tu vas être surprise, c'est hallucinant. Il n'y a que moi qui ai ce talent au monde. Au monde. Et ses œuvres seront. Ouais, mes œuvres seront au. Comment on appelle ça là? Au la MoMA. À la FIAC aussi. Ouais, on ouvre la porte parce que c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Parce qu'on est confiné et l'idée c'est d'aller chercher quelqu'un aux quatre coins du monde. Hier on était avec l'île Maurice. Aujourd'hui on est avec le sud de l'Espagne à Tarifa. Et on est avec Vanessa, à qui j'ouvre la porte et qui nous rejoint tout de suite. Vanessa, yes, Tarifa, viva España, donde está la calle de General de Gaulles. Coucou Vanessa, comment ça va ma chérie, la Tarifa? Ah, elle nous fait déjà une petite visite, Vanessa. Ah ben Vanessa, c'est une femme, c'est une réalisatrice. T'es tendue comme une crampe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un petit souci. On t'entend très bien. Très bien, ouais. Voilà, je ne peux pas mettre les écouteurs et charger en même temps. Donc, du coup, mais bien sûr, c'est le confinement. C'est la guerre, Vanessa. Merci de nous faire la gentillesse. D'abord, la première question du confinement. Où es-tu confinée exactement? Eh bien, à Tarifa, dans un petit village qui s'appelle Facinas. Et ouais. Voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. Tu es confinée avec qui? Oui, c'est pour ça que tu dis pour le moment, tu es confinée avec qui? Avec mon copain, Olivier. Qu'on l'embrasse. Salut Olivier, je t'embrasse, qui est un putain de sportif. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais avant ce confinement et la fin de l'ancien monde? Quelle était ton activité? Qui ça, moi? Oui, oui, vous. C'est à vous que je m'adresse, madame. Oui, c'est à vous, madame. Je vois dans les yeux, je vous parle. C'est à vous que je m'adresse, madame. Et là, c'est le drame. Je vois un petit avis derrière juste toi. Avant le confinement, j'étais en vacances en Indonésie. Voilà, on en a profité pour aller faire du surf tout l'hiver. C'était assez sympa. Yeah. Yes. Voilà, pas mal. On a surfé les vagues. Ouais. Ça donne envie. Et puis voilà, après on est rentré et finalement on s'est retrouvé juste 15 jours après à être enfermé. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Tarifa? Qu'est-ce que tu fais à Tarifa? C'est quoi ton. Tu fais quoi à Tarifa? Je dirige une école de kitesurf. Eh ben voilà, on fait du kitesurf. Moi j'y suis allé, j'en ai pas beaucoup fait, mais j'y suis allé. On a un ami qui en fait. Elle a une super école de kitesurf à Tarifa, puisqu'apparemment c'est l'un des spots kitesurfeurs d'Europe, en tout cas, j'ai l'impression, le plus balèze. D'Europe. Tu connais Nadège? T'es déjà allé à Tarifa, Nadège? Est-ce que t'as déjà fait du kitesurf, Nadège? Non, non. Moi, en général, je suis plutôt bar de plage. Il y en a aussi, tu vois. Tu t'amuser. Mais j'aimerais bien. Ça s'appelle faire du kite bar. Parce que le vent, quand ça t'emmène, faut avoir quand même. Enfin, il faut faire des cours plutôt que de se lancer. Comme ça, il y a des gens qui se lancent comme ça, comme des fous. Et ah bah oui, t'es conseillé. Ah non, mais alors. Et top. Nadège, je sais que tu as beaucoup d'amis sportifs. En tout cas, s'ils veulent se mettre au kite que tu en entends parler, adresse-toi à Vanessa. Au-delà d'être une charmante personne, humainement généreuse, une meuf qui fait du business de ouf, elle a fait des choses, elle était à Londres avant dans la finance, elle fait ça par amour, par passion, partout, c'est formidable. Son école, elle a des mecs pros, elle se démerde toute seule face au reste du monde et ça monte tout le temps. Et vraiment, vraiment, c'est des gens compétents qui apprennent vraiment, c'est super. Et le spot est dément. Et au-delà de ça,
même si tu y vas et que tu n'as pas envie de kiter, que ton mec a envie, il y a tout un petit village à côté avec des bars, des trucs, il y a une ambiance de feu, pas du tout anxiogène, ouais. J'ai jamais vu, j'y suis passé 8 jours, j'ai pas vu une bagarre, machin, c'est vraiment, on se croirait dans Point Break quand ça va bien, quoi, voilà, donc vraiment Vanessa, et je vous conseille, donc tu peux peut-être donner, je sais pas, ça peut s'afficher parce qu'on a les, je regarde, mais peut-être donner où est-ce qu'on peut te retrouver, Vanessa, sur les réseaux et sur le hashtag. Il y a le site web, voilà, freeridetarifa.com, après sur le Facebook, Instagram, voilà, comme ça. Dis-moi, je suis sûr que nous, confinés, on est de 14 mètres carrés, toi, tu dois avoir une terrasse ou quelque chose. Est-ce qu'on peut faire une petite visite rapide, même si tu n'as pas de batterie, même si on ne voit pas grand-chose, c'est pas grave. Alors, attends, je vais enlever la batterie. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, comme tu dis. C'est pas grave. Vas-y. Tiens, en attendant, je vais vous poser une petite question. Qui a dit la Baby's Boys ? Moi, j'ai un petit commentaire en attendant de Bridge, je sais pas, qui a dit, en tout cas c'est un ou une fan de Nadège et qui a dit c'est vraiment bien expliqué, bravo à vous, beau portrait de Nadège qui est formidable en théâtre. Magnifique. Merci. Là, elle a une belle vue Vanessa. Hein. Oh Vanessa. Normalement on voit le champ d'éolienne juste en face, mais là. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais, t'as un très beau champ d'éoliennes. Écoute, comment ça se passe, Vanessa, en Espagne, le confinement ? Parce que tu sais, ici, on n'a que des nouvelles en boucle anxiogènes de LCI. Mais couilles. D'ailleurs, je demande à tous les gens d'arrêter de regarder ça. Allez sur France Info, France 24. Au moins, il y a des nouvelles à travers le monde. Les gens sont là pour faire du buzz. Personne ne sait vraiment où on en est. Le seul truc, c'est de rester chez soi. Donc, arrêtez d'écouter en boucle. D'abord, ça vous fout les boules et vous n'aurez pas plus de nouvelles. Et arrêtez aussi de regarder la météo parce que de toute façon, on ne peut pas sortir. Donc, regardez le ciel comme à l'ancienne. Quand vous ouvrez la fenêtre le matin, ah, il pleut, ah, il fait beau. C'est la vie. Profitez du confinement pour se remettre sur soi-même. On n'a que ça à faire. Donc, restez chez vous et arrêtez de… Et arrêtez. Il y a des applications qui donnent les infos importantes. Hein. On n'a pas besoin d'être en boucle sur les gens de téléjournaux. Ouais, mais tu sais, Nadège, malheureusement, là, je fais un petit truc, je peux être sérieux aussi. Il y a des gens qui sont seuls confinés. Et au bout d'un moment, Netflix, machin, ça les gonfle. Ils regardent le truc parce qu'ils veulent un espoir de quelque chose. Mais tout le monde dit tellement. Alors, je ne dis pas que tout le monde qui parle est incompétent, mais personne ne sait aujourd'hui. Donc, taisez-vous, non, faites avancer les trucs. Voilà, donc, il faut arrêter. Et surtout, allez voir les infos sur. Je ne bosse pas avec eux. France Info, France 24, je vous le dis. Excuse-moi, Vanessa, je reviens à toi. C'est vrai que France Info, c'est sérieux. Non, pas Comment ça se passe en Espagne, alors, en tout cas, à Tarifa, le confinement ? Non, c'est quand même assez strict. Hein. On a le droit de sortir juste pour aller faire des courses, pour aller acheter à manger et aller à la pharmacie. Et puis, alors, tu as les flics qui te demandent, lorsque tu arrives au rond-point, justement, alors ouais, mais... Tarifa. Non, mais j'ai vu, parce qu'en Espagne, c'est chaud. Ils rigolent pas en Espagne. Hein. Ils rigolent pas, la Guardia Civil. C'est ça. Puis tu peux te prendre une bonne amende si tu sors pour une mauvaise raison. Tu n'as pas le droit de sortir à plusieurs. Forcément, c'est tout seul. Donc, mais bon. Et pour te connaissant un peu et t'ayant vu t'embrouiller avec un mec pour une place de parking avec ton espagnol, avec ton accent mi-franco, mi-anglais, je peux te dire que la Guardia Civil a du souci à se faire. Juste un petit truc, ma chérie. Est-ce que tu as un bouquin à nous conseiller en ces temps de confinement, un livre, un bouquin ? Ouais. Pour les gens qui savent lire, bien sûr. Justement, avant de changer de vie, ça s'appelle Être l'auteur de sa vie. D'accord, Michel Gilles Noël. Vas-y, remets-le, parce que tu sais, avec le petit décalage, il y a une petite seconde. Voilà, super, d'accord, génial. Et je le conseille parce que ça permet de comprendre pas mal de choses et de prendre sa vie en main aussi, je pense. Super. Je vais le commander dès demain sur Amazon. Dis-moi, pour moi, je parle. Est-ce que tu aurais une série à nous conseiller ? Peut-être que tu ne regardes pas beaucoup de séries, mais peut-être. Même une vieille. Hein. Ben non, je ne prends pas trop le temps, mais une vieille série que j'aime beaucoup, c'est Californication. Ah, ah ça c'est bien. Alors, d'accord. Californication. Californication. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, comment il s'appelle, lui ? Je ne sais plus comment il s'appelle. David Duchovny. Oui, c'est ça. Et alors, tu vois, Hank Moody. Californication, c'est mon biopic, mais ils m'ont pas filé les droits, c'est pas gentil. Vanessa, quelle est la chanson que tu as dans la tête en ce moment, ou la chanson qui représente Vanessa, ou peut-être l'hymne national de Freeride Skate Surf? C'est plus une chanson que j'aime bien écouter en ce moment, écoutait quand on était justement aux Philippines cet hiver, et ça s'appelle All My Life de Shazidek. Tu connais Nadège ? On peut écouter, Sam ? Tu peux peut-être nous le trouver ?
Et Nadège, c'est quoi la chanson, tout à l'heure, je t'ai demandé qui te représentait, mais que tu as dans la tête en ce moment? T'en as une dans la tête en ce moment? Que t'écoutes, Nad? Mais je connais, en tout cas, moi, j'écoute très peu de musique, mais c'est ça, il y a une chorégraphie sur Facebook, sur TikTok. Mais me chauffe pas, me chauffe pas, je vais te demander de la faire. Mais c'est laquelle, t'attends? Vas-y, Boule. J'ai plusieurs hommages pour toi, justement, tiens. Ah! Bah tiens, on a pas mal d'écouter chez Zilek. Ouais, parce que... Allez, on écoute. Je me suis amusé à fouiller un peu. Vas-y. Alors, c'est artisanal, hein. C'est artisanal. Je me suis amusé à fouiller un peu. Du coup, j'ai fait des TikTok comme toi, cet après-midi. C'est cool. Voilà. Et ça fait alors, bim, bam, boum, et ça fait bim, et ça fait boum. Mais c'était la première fois. Alors, mais j'ai pas compris. Je comprends rien. Je comprends plus rien. Je perds totalement le contrôle de cette émission. C'est TikTok, c'est normal. Tu ne comprends pas TikTok encore, Eric. TikTok, moi je les bouffe, les TikTok. Ok, boomer. J'ai pas la rêve, j'ai pas la rêve de la vanne. Ouais. Là. Ouais, on voit, fais voir. Vas-y, on voit. Attendez. Oh là 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 là. Elle est bien foutue la technique. Putain, mais chez Hanouna, tu serais déjà viré depuis 10 minutes. Ah, ça y est, c'est parce qu'il y a le... Alors, attendez, en attendant, il faut que j'enlève le Bluetooth, en fait. Y a le Bluetooth. Oh là là, là, t'as le son, Sam, t'as le son, Nathalie. Ouais, j'ai le son de chez Zilek, évidemment. On est pour montrer, je trichais pas. T'as le temps, en attendant. Et ça, c'est pour Nadège. Vous y voyez, là? Nadège, t'as ton challenge en pâte. Ah, c'est joli, il a déjà la croix à Barbie. Alors, je t'explique, Vanessa. C'est le... Boule, explique à Vanessa ce que tu fais avec les pâtes. Explique à Vanessa ce que tu fais avec les pâtes. J'écris les noms de nos invités avec des pâtes. C'est le seul talent que j'ai. C'est pas vrai. Ok, les amis, on passe à la rubrique que tout le monde nous envie tellement que je l'ai déposée cet après-midi à la SACD. La séquence mime ta son. Tu restes avec nous, Vanessa, pour ce jeu et pour le faire. Allez, c'est bon, ça marche. Tu restes avec nous, jouer. Ça marche. Allez, super. Vas-y. Sam va t'expliquer. Sam, c'est à toi, jingle. C'est parti pour une façon que c'est très très simple, c'est un time's up de chansons. On va tous se mettre sur mute et chacun notre tour, on va devoir mimer une chanson aux autres. Voilà, c'est très très simple. Vous allez voir qu'à partir de ce moment, tout le monde est en stress parce que ça fait une semaine qu'on fait l'émission, mais personne ne pense à préparer des chansons. Donc moi, par contre, je suis en stress. Si, monsieur Blackster, j'ai travaillé. Parce que moi, c'est ma rubrique, mais je ne pense jamais à préparer les chansons. Donc là, actuellement, je vais passer la balle chaude à Ambre parce que hier, c'est Lionel. Donc ce soir, c'est Ambre qui va commencer. Nadège, Vanessa, tu es avec nous. C'est très simple. Ambre, sur mute. Elle va nous mimer les paroles d'une chanson et on va devoir deviner la chanson en question. Alors attention, Sam Blackster, sache que j'ai bossé pour toi. Je ne te lâcherai jamais, frérot. juste un truc, les enfants. On est sur mute. Vous n'êtes pas sur mute. Par contre, vous ne hurlez pas. Le premier calmo lève le poing et je donne ou pas, puisque je suis le président de ce monde virtuel. À qui voilà. Allons-y. J'ai une proposition pour ton t-shirt. Et comme vous ne l'avez pas vu, je n'avais pas la fin de cette phrase. Vanessa, tu peux jouer aussi. Je me fais super chier. J'ai demandé à ma mère cet après-midi, comme elle s'emmerde aussi, de graver un t-shirt avec ceci. C'est une date de quelqu'un qui est connu. Et la personne qui gagne, la personne qui gagnera, qui sera qui. Et cette personne qui est. J'ai trois propositions, moi. Eh bien voilà, il gagnera et le t-shirt et une figuration dans le film que je tournerai en octobre. Interview. Bien rôle, j'adore. Bien rôle. Bah, allez, c'est parti, Ambre. Ok. Qu'est-ce que tu. Cœur. L'amour, c'est comme une cigarette. Désolé, Sam Blackster, je ne peux pas vous accorder le point. Il fallait lever le point avant de dire le mot. J'ai pas de point. Alors, vas-y, Sam Blackster. Tiens, allez, montre-nous ton talent de mime. Ok, bah faut déjà que je trouve le talent de trouver une chanson à mimer. Alors, moi, j'en ai un. Et comme je suis un tricheur, parce que l'ancien monde nous avait triché avec nous, dans le nouveau, nous trichons, nous, avec vous. Homme politique, c'est à toi que je m'adresse. Regardez. Attention, hein, j'ai un accessoire. Wow, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. oh là là, lécher un zeste. Et ça, c'est un zeste de citron. Un citron. Lemon and zeste. Ah, lemon and zeste.
Bravo les bonnes et 16 de Serge Gainsbourg, les gars. J'ai bossé 2h15. 2h15, j'ai bossé pour trouver ça. Au début, j'avais... Vas-y, Nadège. Enlève le point. Toi. Tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Attends, vous trichez, putain. Moi, je lève les mains et tout. Mais Ambre, le monde virtuel est aussi injuste que le monde réel. Tu lèves la main, tu payes tes impôts. Jérém, il avait Lemon and Cest. Bien joué, Jérém. Sur Insta. Bravo, Jérém. Excusez-moi, sur Facebook, on me demande depuis 3 fois, je n'ai pas répondu, je sais pourquoi. Non, je ne te dirai pas où je suis, Martial. Je ne te le dirai pas. Je suis confiné dans un endroit, j'ai pris le maquis. Je suis le seul, personne ne saura où je suis. Personne, je ne te le dirai pas. On y va. Alors, j'en ai une. Vas-y. J'ai. Moi aussi, depuis avant toi. Vas-y, Ambre. Vas-y, Ambre. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Loulou et Boutin. Bien vu. Allez, il en reste deux. Il en reste une pour Boule et une pour Vanessa. Vanessa, vas-y. Allez. Alors, j'en ai une, mais je ne connais pas le titre. Hein. Fais les paroles. C'est quoi? Moi, j'ai cru que c'était, pardon, dans la plage abandonnée. Mais oui. Dans la plage abandonnée. Coquillage et crustacé. C'est pas génial. Ambre, t'en as une, Ambre. Boule, okay, t'en as une. Boule. Attends, Boule. Ah, Boule, il est chaud. Il va se déguiser et tout, je le connais. Vas-y. Ce que j'ai. Vas-y. Le bossu. Notre-Dame. Nabila. Ah non, boys. Boys, Sabrina, 80, d'accord, très bien. D'accord. Nadège, t'en appelles une petite. Amel qui dit coucou Nadège, Amel. Coucou. Ah, c'est Amel, coucou Amel, coucou Nadège. Bravo. Fais une dernière, Eric. Tu en as préparé une certaine. 22h47. Non, j'ai bossé 2 heures sur celle-ci. Hein. J'avais rien avec la banane. Parce qu'au début, je voulais mimer. Alors non, je vous avoue, la vérité. Parce que je ne vous mentirai jamais. Je voulais au début mimer mou la banane et mou le café. Mais je n'avais plus de café. Donc j'ai pris Lemon Incest. Voilà, c'est comme ça. Okay, pour te sauver la vie. J'en ai une. Elle vient de me venir là. Tiens, Nadège, c'est pour toi, tu me regardes. Ça se voit que tu lui fais les yeux doux. Mourir d'amour. Ah, je pourrais te l'accorder. C'était je t'aime à mourir, mais mourir d'amour, ça marche. Mourir d'aimer, ça marche aussi. Vanessa, je te sens au taquet. T'as eu de la bonne weed là, je me suis dit, tiens, je me faisais chier sur la compta. Je vais faire un petit jeu mime. Olivier se dit, qu'est-ce qu'elle branle? Qu'est-ce qu'elle fait que le taré à Paris? Vas-y, Vanessa, t'en as un qui vient. Boule. Vas-y, Boule. Allez, pour le dernier, vas-y, Boule. Pour le dernier, Boule. Une banane, ouais. Mais cet album n'est jamais sorti. Et la banane. Les complots de l'amour. Et la banane. Bravo les enfants, c'était une passion. Ma merde. Vanessa, tu t'en vas comme tu veux, soit je te libère, soit tu restes, mais en tout cas, gros bisous. On rappelle, c'est le moment de faire de la promo, vas-y, rappelle ton club, pardon. Vous êtes le bienvenu à Tarifa, dans notre école, Afera et Tarifa. Ouais. Merci, t'es un amour de jouer le jeu, merci. C'était sympa, merci à toi. Et on se voit très vite, un coup aux zèbres à Montmartre, quand tu passes à Paris. Carrément, ça marche. Salut Vanessa. Salut Vanessa. Les enfants, on va tous jouer en équipe. Nadège, tu choisis ton coéquipier pour ce jeu que j'ai appelé les questions presque pas cons. C'est une chance. C'est des questions cons avec des questions multiples. Vous avez 30 secondes de réflexion pour répondre. Tu choisis ton partenaire de jeu. S'il y a un jingle, alors, ça, je serais désolée, Ambre, mais visiblement, en équipe, on n'est pas très doué. Alors, je vais prendre lui. C'est pas grave. J'ai gagné tout à l'heure. Comment Sam. Sam. Mais c'est normal, Sam. Avant... Sam, on est au jour. Non, c'est bon. Je vais quand même te.
Mais c'est pas grave. Je vais quand même te lire un message d'amour, Nadège. Oui. C'est pas grave. Un petit message d'amour de Thomas Lily qui dit « Bonsoir Nadège, je t'aime de tout mon cœur, tu es vraiment la meilleure. » On l'embrasse, Thomas. Des gros bisous. On est parti les enfants avec le jingle, les questions presque pas trop cons. C'est parti les enfants, concentration. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci mon ami, merci. Donc Nadège, tu vas commencer. Tu as pris qui? Tu as pris Sam Blackster ou Boule? Sam. Tu prends Sam Blackster. Donc, les deux autres vont muter. C'est votre premier questionnaire, d'accord? Alors, vous écoutez bien, vous avez quatre choix. À part le chroniqueur toulousain assis dans la case au milieu à gauche, qui était Sitting Bull? Était-ce un chef Sioux, un taureau trop speed, la sœur de Raging Bull ou le cousin germain ou le cousin germain de Bison Futé? Vous pouvez vous concerter, vous avez 30 secondes. Voilà. Nadège, je dirais la première. Oui, moi aussi, le chef Sioux. Le chef Sioux. Nadège Lacroix, yeux dans les yeux, c'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot, Eric. Eh bien, c'est ça, Nadège Lacroix, un point pour l'équipe de Nadège. On l'avait aussi, hein. Oui, c'est pour souffrir, ok. Très bien, l'équipe Boule et Le Marais, vous, attention, ou la première, attention, alors évidemment, parce que moi je me fais chier, c'est moi qui écris les questions, hein. Alors elle monte en degré de complexité, bien sûr. T'inquiète, on est là, sauf pour toi Nadège, parce que je veux que tu gagnes. Ah, voilà, ah. Le favoritisme, et, l'histoire et de ma vie. Bon, alors le bac plus 2, là, alors je m'adresse au bac plus 2 là-haut à Cannes et au CAP menuiserie moins 3 en bas. Où la première bombe H a-t-elle explosé? Réponse A, à Ibiza. Réponse B, à Kourou. Réponse C, à Bikini. Réponse D, dans ton cul. Kourou, la première bombe H. Vous avez 30 secondes pour réfléchir avec Ambre. Ouais, ouais. Moi, je dis c'est dans ton cul, Ambre. Allez, il reste 10 secondes, concentrez-vous. Ça me tente beaucoup. Il reste 10 secondes, 9, Kourou. 8, Kourou. 7, Kourou, vous dites Kourou. C'est la vraie Sandrine, ouais. Je suis désolé, vous avez été doublement baisé. Eh oui, non. Parce que c'était Bikini qui est un atoll des atolls des Mororoa, c'était à Bikini. Kourou, c'est la fusée Ariane, les enfants. Voilà, merci, au revoir. Nadège, tu es déjà avec deux questions à 12 points. Comment ça se fait? C'est incroyable. Attention, Nadège, tu joues avec Sam Blackster et tu joues avec un internaute. Olivier Torgler, salut Olivier Torgler, je veux jouer avec Nadège. Bah, tu joues avec Nadège, donc tu joues pour Olivier Torgler, Nadège. Je ne sais pas qui c'est, mais très il joue avec toi. On adore. Jouons donc, avec Olivier. Nadège Lacroix, Sam Blackster, quel pays a perdu le plus de Coupes du Monde de football? Est-ce le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie? Et à la fin des 20 secondes de réflexion, vous devez me répondre en prenant l'accent brésilien. Ok, on parle de finale. Il manque un truc dans ta question là. La finale, bien sûr. Ouais, voilà, ouais, parce que perdre. Alors, bah, c'est l'Italie. Vous ne baiserez pas, les gars. Non, c'est l'Italie ou l'Angleterre, mais l'Angleterre n'est jamais allée en finale. Il vous reste 10 secondes. Alors, c'est les Italiens. C'est les Italiens. Ouais. Mais oui, quel pays a perdu le plus de Coupes du Monde de football? Vous dites que c'est les Italiens? Non, c'est pas notre réponse finale. Attends, on va procéder par élimination. 5, 4, non, 2, 1, 0. Allez, je vous laisse 10 secondes supplémentaires. C'est l'Italie. Il t'avait donné un indice. Hein. Mais oui, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Non, c'est pas le PSG. C'est pas le PSG sur. On me dit c'est le PSG sur Facebook, pas du tout. Alors vous dites quoi? Allez, j'ai besoin de votre réponse, les gars. Dis le Brésil. Le Brésil. Non, vous êtes en couple. Vous devez vous. C'est Nadège qui prend la main. Nadège, tu dis. Je te conseille le Brésil. Il a demandé l'accent brésilien pour répondre. Tu dis le Brésil? Du Brésil. Eh bien, c'est perdu. C'était l'Allemagne. Trois fois. De toute façon, c'était le seul qu'on voulait pas me mettre. T'inquiète pas, on l'aurait jamais dit, Nadège. C'est bon, ça va. Pas grave, de toute façon, on perd, on dit lui. On a... Moi, j'ai Thomas qui veut jouer avec l'équipe de Nadège. Comment on fait, s'il vous plaît, il me dit. Allez, il faut faire les minutes. C'est moi qui réponds. Il faut continuer de suivre.
Voilà, mais, et bientôt, on a déjà El Général qui va nous suivre pour le blind test tout à l'heure. Yes, attention les enfants. Attention les enfants, question pour vous. Attention pour vous, Ambre et Boule à Toulouse. Quel est le pays qui a perdu le plus de guerres mondiales ? Est-ce le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie ? Et moi, j'ai toujours pas de poil. L'Allemagne en moi. L'Allemagne en moi. C'est la même question. Vas-y, je te fais confiance, Boule. Ambre, t'es là. Boule. Boule. Il n'a pas eu 42 millions. Boule, tu penses que le pays qui a perdu le plus de guerres mondiales entre le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, tu penses que c'est l'Allemagne, c'est ton dernier mot, Boule ? Non. J'ai comme l'impression que ça te ferait plaisir que je perde, mais oui, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot ? Eh bien, je te fais un bisou virtuel parce que c'est la bonne réponse, c'est l'Allemagne qui a perdu la guerre mondiale. Et j'ai envie de rajouter, décidément, pas de bol. Attention, Nadège Lacroix. T'es encore avec nous, ça va Nadège, tu t'ennuies pas, ça va, c'est pas un bon moment. Non, ça va, tout va bien, on est au taquet. Nadège Lacroix, ta Blackster. Merci à tous de nous rejoindre les enfants, merci, c'est adorable. Le blind test arrive, vous inquiétez pas. Attention, Sam Blackster, confiné dans un 850 mètres carrés, divisé par deux, ce qui fait un 15 mètres carrés, mais il nous donne tout son cœur, qui fait la planète entière. Nadège, que veulent dire, Nadège et Sam, les chiffres au fond du verre qu'on avait à la cantine ? Est-ce que ça veut dire que c'est l'âge que vous avez et que c'est le plus jeune qui va chercher de l'eau ? Est-ce que c'est la note que vous aurez à l'interro de cet après-midi ? Est-ce que c'est le nombre de filles ou de garçons avec lequel vous les allez sortir cette année ? Ou alors, on ne sait pas, on s'en bat les couilles, ça reste un mystère, mais on est tous sur le coup. On s'en bat les couilles, Je mangeais chez ma grand-mère, moi, je n'allais pas manger alors, à la cantine. Nadège, Sam, est-ce que tu peux l'expliquer, Sam ? Que nous, quand on était à la cantine, on avait les verres comme ça, les verres Pyrex, tu vois. Ouais. Et au fond du verre, il y avait un chiffre. Et quand on était à la cantine, on disait, tiens, quel âge j'ai ? Et il y avait 32, 37, 42. Et des fois, tu avais des petites étoiles. C'était le nombre d'enfants qu'on avait. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'était à la base, c'est le numéro de série de l'usine, évidemment. C'est ça. Oui, exactement. Nous, pour être précis, c'est le numéro de série du moule. Exactement. Du moule. Exactement. Exactement. C'est complètement le moule. Le moule. Tu veux voir ma bite ? Eh bien. Non. Non, tout va bien, je te remercie, j'ai déjà vu. Dernière question pour vous les partager, vous êtes à deux partout, attention. Donc c'était la première. On a gagné, Nadège. Ah, on a gagné, ouais. Oui, pardon, c'était la première, vous avez gagné. Attention. Comment un Anglais malin, souvent les Anglais sont malins, sauf Boris Johnson, qui a 5 jours disait, j'en ai rien à foutre, je vais serrer des mains dans les hôpitaux. Salut Boris, si tu m'entends, bonne chance. Il est en réel, hein, mesquine. bonne chance à lui, mais on lui avait dit de faire attention. Comment un Anglais, et ces hommes-là doivent montrer l'exemple, excusez-moi, je suis désolé. Comment un Anglais a-t-il réussi à tricher à qui veut gagner des millions dans le jeu anglais ? Est-ce qu'il a... J'ai la réponse. Je vous envoie un médecin. J'ai la réponse. On va voir, Sam, j'imagine. Vas-y, dis-la pour voir. Vas-y, donne des propositions pour les autres quand même. Il a lu un livre avant. Il est venu avec Alexandre Benalla. Aussi. Il a payé un complice qui toussait dans le public une fois pour A, deux fois pour B, etc. jusqu'à D. Ah, pas mal. Ou bien il s'est mis dans l'axe optique où jamais personne s'était mis dans l'émission et du coup, il voyait les réponses dans le verre des lunettes de l'animateur. On peut répondre, nous ? Ou c'est à qui de répondre en premier ? Vas-y, c'est à Paul. C'est à... Moi, je dis 4, tu dis pas 4, toi aussi, ça. Non, c'est la 3, Nadège. C'est tous, le mec ? Ouais, c'est... Donc, ouais, c'est... on va bien se rendre compte qu'il y a un mec qui... Ben oui, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Écoutez, c'est la bonne réponse parce que George Mitchell a participé à 27 fois avant qu'on se rende compte du subterfuge, mesdames, messieurs. Imagine, t'avais un mec qui avait... En fait, c'était juste un mec qui avait le Covid-19 dans le public, quoi. Ouais, j'allais dire, en ce moment, le mec, il serait pas resté à la première question. Tu sais. Monsieur, vous toussez, vous sortez. Question pour un tousseur. Nous allons...
Boule, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu nous expliques? C'est le concept du Boule Monde. Alors, Nadège, maintenant, c'est ouvert. La porte s'ouvre. C'est le concept du welcome au poteau. Et ce soir, c'est notre pote qu'on va découvrir ce soir, que vous allez découvrir, qui s'appelle El Général sur les réseaux. Allez. Qui nous suit depuis le début. Donc, il va jouer avec nous au blind test. C'est bon, ça. C'est ouvert. Tu es le bienvenu. Viens donc. Mais attention. Allez, alors, welcome. Il peut venir à partir de... C'est parti. Voilà, il peut venir à partir de quand il veut. En attendant, Nadège, on a un petit questionnaire. Si j'étais présidente, qui va être fait par Ambre Ferrante. Et après, Boule te demandera de faire un petit jeu d'acting d'une minute trente. Au thème. Jingle. Magnifique. Bon, ma Nadège. Alors attention, je te pose des petites questions. Tu réponds absolument qui tu veux, du gouvernement ou pas d'ailleurs. Donc la première question, quelle serait la première loi que vous voteriez si vous étiez présidente? La mini-jupe pour tous. Pour tous. Je vote pour tous. Surtout les mecs. La croix présidente, la croix présidente, la croix présidente. Ils se rendent compte à quel point c'est génial de se balader en jupe toute la journée. Ils vont pas. Étalons. Étalons. Qui dit mini jupe dit talon. Talon de 12. Minimum. Évidemment. Cool, hein. Nadège. On a perdu boule. On a perdu boule. Il revient. D'accord, ok. Présidente Lacroix, qui choisiriez-vous en premier ministre? Mon mec, comme ça fait deux salaires. On escroque direct, nous. On ne fait pas les choses en cachet, nous. Mais non, bim. Présidente Lacroix, qui choisiriez-vous à la défense? Un militaire avec un gros fusil. J'aime les gros fusils. Je t'aime, Nadège. Calmez-vous. Il y a des enfants qui regardent. Qui choisiriez-vous au budget? Moi. Oui. C'est de la. Nadège, tu veux créer une dictature? C'est pas possible. Tu peux pas cumuler les mandats. Dit que je ne serais pas une dictatrice, moi. C'est pour ça que je ne fais pas de politique, je suis insupportable. Qui choisiriez-vous à la culture? Éric Delcourt, comme ça il mettrait dans tous les projets 4 salaires. Moi qui voulais vous demander de me tripoter. Au sport. Teddy Riner. Il est grand. Qui choisiriez-vous en porte-parole? Ma mère. Noël. Qui choisiriez-vous pour réécrire les paroles de la Marseillaise? Celui-là qui chante bizarrement là, avec une voix bizarre. Booba. Ah, Christophe Maé. Ouais, Est-ce que vous laissez Michel Simès continuer à dire de la merde à longueur de journée à la télé? Oui, mais c'est de la merde. Parce qu'on aime ça. Lui, alors franchement, il est génial ce mec. Il est drôle, il est cultivé. Moi, je l'écoute comme si c'était Dieu le Père. Merde. Mais c'est de la merde. C'est pour ça que je ne suis toujours pas très intelligente. Mais c'est débile cette histoire. Nadège, le Dalai Lama est à Paris. Si vous le recevez, la Chine annule une commande de 80 Airbus et 45 TGV. Vous faites quoi? Eh bien, il restera Dalai là-bas. Voilà. Yeah. Énorme. Meilleur punchline depuis le début de l'émission. Il restera Dalai là-bas. Énorme. Je t'aime. Allah Akbar, la Torah d'Israël. Vive Dieu. Oh putain, je t'aime. Nadège. Jean-Marie Le Pen meurt. Allez-vous aux obsèques? Si on peut aller à Le Pen. Si on peut quoi? Si on peut enfermer avec Marine Le Pen. Attention, on a eu un accident du côté d'Éric. On enferme juste
dans le, tu sais, dans le truc, dans le machin. Dans le cagibi, voilà, quoi. Voilà, tu sais, dans le truc où à la morgue, je la laisse dedans et puis on la laisse. Ah, oh, glauque. Ah, oui, et on ne oui, dit pas que le confinement est terminé. On leur dit pas, eux. Voilà. On n'en dit pas. Il reste. Nadège, qui choisissez-vous pour l'interview traditionnelle du 14 juillet? Booba. Putain, ouais, bon. Très français. Bravo, bravo Nadège. Gouvernement de fou. Bravo Nadège, merci. Votez Nadège Lacroix. D'ailleurs Nadège, je vais te laisser dans les mains de Boule qui va te dire quoi faire parce que maintenant que tu es présidente, tu vas devoir nous faire une allocution présidentielle. Je te laisse avec. Alors, Nadège, petit jeu d'acting. Entre-temps, qui te voici, qui te voilà. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Le général. Ah, ben c'est pas trop tôt. Enfin. Alors, attends. Salut le général. Je te demande juste un moment solennel. On déconnera après. Là, c'est l'allocation du président Lacroix. C'est la France, les enfants. Vas-y, Boule. Nadège, tu es donc la présidente de la France. Nous sommes en confinement et là, tu vas prendre ton rôle très à cœur pour prendre l'antenne et expliquer aux Françaises, aux Français, que tu as vu la cellule de crise et que tu vas devoir annoncer à tout le monde que le confinement se terminera le 33 octobre 2032. Et tu finiras en disant « Vive la République, vive la France, vive Eldop ». Vive quoi, c'est quoi la fin ? Tu termineras ton allocution, donc c'est jusqu'au 33 octobre 2032. Et tu termineras ton allocution de présidente en disant « Vive la République, vive la France, vive Eldop !» Vive Eldop ! Hey. Est-ce que vous êtes prête, Madame la Présidente ? On mute, on écoute Madame la Présidente. Chers Français, chères Françaises, je suis là pour vous annoncer ce soir que malgré toutes ces années, nous ne pourrons malheureusement pas demain profiter de tous ces endroits merveilleux auxquels on avait accès avant. Ces parcs pour faire des footings, ces écoles pour se débarrasser de nos enfants toute la journée. Maintenant, on doit s'en occuper, c'est quand même bien compliqué. De toutes ces choses que l'on faisait avant, prendre des avions, prendre des bateaux, enfin profiter de la vie. Voilà, je tiens à vous dire que ce sera faisable un jour, mais pas demain. Ce sera faisable un jour, ce sera le 33 octobre 2020. 33. Voilà. J'espère que vous êtes tous très heureux de cette grande nouvelle que je suis dans l'honneur le plus complet de partager avec vous ce soir. Et vive la France, vive la République et vive Eldop. Bravo. Merci. Eh bien, on accueille tout de suite en direct des favelas de Rio. Il était avec le Che Guevara il y a moins de 10 minutes. Salut, El General. Tu es sur mute, frérot. Tu es sur mute. Démute. Et toi, sur mute. Démute. Ouais, voilà. Voilà, c'est Nadège. Avant de passer à toi, El General, Nadège, mais c'est énorme. T'es la meilleure allocution présidentielle. Je vote pour toi. Je vote 1000 fois pour toi. Salut, ouais. El General. Où est-ce que t'es confiné? Pourquoi t'as arrêté de fumer? Et avec qui es-tu confiné, mon ami? Je suis tout seul, chez moi. D'accord. Et t'es où? C'est pour ça qu'il a ce style vestimentaire. C'est ça. Je suis dans mon appart à Toulouse. Et tu es célibataire? Peut-être tu peux faire un appel. Là, il y a des gens qui nous écoutent. On sait jamais. Ben, rejoignez-moi. Non, c'est interdit, El Général. C'est interdit, en fait. Ça marche avec... pas comme ça. Coucou. Mais avec... Je veux voir ma vie. Si on nous avait prévenu avant... Vous savez, on arrive toujours à trouver un mec pour la Saint-Valentin pour pas aller dîner toute seule. Si on avait su à l'avance, mais tout le monde serait en couple. C'est pas cool. Moi aussi. Moi aussi, je me suis séparé. Mais moi, je le voulais pas. D'ailleurs, je sais que tu t'es connecté. Donc, tu as mon numéro. Bref, on est en ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Donc on va passer les enfants, un truc que j'ai piqué à la télévision, mais c'est moi qui ai inventé les questions, mais comme je peux pas l'appeler comme ça,
Ça va, s'appeler... ça va le corona, Nadège? Ah, au top. Non, mais parce qu'en fait, il fume des cigarettes, lui. Je le vois fumer. Du coup, ma gorge, elle se dit, toi aussi, t'aimerais bien fumer une clope. Du coup, je tousse. Ah ouais, mais t'es hypochondriaque à ce point-là? Via les ordi, putain. Via les ordi, ça passe en Bluetooth, hein, c'est un hypochondriaque. Les enfants, on passe au Quakentos de la mort qui tue sa mère, Sam Blackster Jingle. À toi. Nadège Lacroix, tu vas te mettre en mute, tu vas écouter, tu vas avoir droit à des jokers. Donc la règle est simple, je te pose 10 questions, je prends le temps pour te les poser, je les enregistre dans ta tête, et à la fin des 10 questions, je te demanderai de me redonner les 10 questions, les 10 réponses, pardon, aux 10 questions que je t'aurais posées. Tu as le droit, à chaque fois un petit peu de seconde, quand tu hésites, tu dis joker, et tu choisis maintenant ton joker. Qui choisis-tu? Démute et dis-moi qui tu choisis comme joker. Démute-toi. Non, pas ça. L'autre côté. Tourne-toi. Oui, merci. Démute-toi. Bon, tais-toi et faisons l'amour. Je ne sais pas, faisons quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Démute juste. Elle a collé sa caméra. Non, c'est pas le bon. C'est génial. Ouais, même Rénéral, il n'en peut plus. Ça a à peine commencé, le mec étant... À peine il rencontre Nadège. Nadège, qu'est-ce que tu me fais? C'est Black Mirror. Retourne ta caméra, Nadège. Retourne ta Ambre, caméra. Ambre, mon chat, tu peux te démuter pendant la séquence. Alors, pendant qu'on a perdu Nadège, je vais vous montrer ma retourne banane. La caméra. En fait, t'as retourné. Voilà. C'est ton son. C'est ton son qui est... Démute, chérie, démute. Tu ne peux pas démuter? Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être sors et reviens. Ouais, sors de la room et reviens. Sors de la room et reviens. Je ne savais pas comment me débarrasser de toi. Putain, je suis balèze. Hein. Tu sors et tu reviens. Non. Non, ça fonctionne là. Ouais, mais nous, on t'entend pas. Nous, on ne t'entend pas. Il faut que soit tu arrives à activer ton micro, soit il faut que tu sors de la room et que tu reviennes. Et elle va revenir. Voilà. En attendant, sur les réactions, j'avais de Xavier Caille. Lui, il aurait proposé la légalisation de la marijuana. Salut mon Tony Zanier d'amour. Salut mon Xavier, ça va ? Salut mon frérot. Enfin on le voit. D'accord. Est-ce que je peux avoir une Rolex de Genève ? Me dit. mon bébé, t'es revenu. Je très suis bien. De retour. Mais ça marchait plus le mute. Oui, bien sûr. T'inquiète pas. On est tous dans le même salon. On est confinés. Tout va bien. Il y a que de l'amour. Alors avant de passer au blind test, donc ce petit jeu, donc tu vas jouer. Pour des places de théâtre que j'offrirai pour 10 spectacles quand le monde nouveau sera ouvert au Théâtre de l'Isère. Donc tu joues pour Xavier Caille, voilà, qui est donc tu joues pour lui. Et comme je te le dis, dans les 10 questions à la suite, à un moment donné, si tu as un problème, tu choisis donc ton joker maintenant. Qui choisis-tu? Je vais choisir Ambre. Ah, en blind quand test, même. Blind test, là, c'est pour le. Ok. Alors, tu te mutes, s'il te plaît, ma chérie. Par oui, contre. Oui, mais alors attends, j'ai pas compris. Alors, je dois garder toutes les réponses. Oh merde, alors ça va. Je me fais chier toute la journée à faire des jeux. Voilà. Toi, ça semble logique parce que t'es dessus tous les jours. Sam va t'expliquer. En fait, je suis un très mauvais explicateur. Ouais. Il va te poser en prenant son temps les 10 questions à la suite. Tu dois enregistrer toutes les réponses et à la fin des 10 questions, tu vas devoir donner les 10 réponses d'affilée. Ok, voilà, c'est ça. Voilà. C'est mieux expliqué quand c'est lui. Hein. Allez, ouais, il y a Thomas qui joue pour notre équipe, Nadège. Super. Cool. Je joue pour toi. Alors, Nadège, attention. Évitons les jingles pendant le truc. Vous pouvez parler entre vous si vous voulez, juste pour que Nadège se concentre. C'est marrant les jingles, quand même. Non, mais pas pendant ma question, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Attention, question numéro 1, écrit ce matin à 6h30, entre la Casa des Papel et Homeland. Nadège Lacroix, quelle heure est-il à Ajaccio sur la plage de Campo Formio? S'il est midi pour moi à Paris, coincé vénère dans un Uber sur le périphérique. J'ai rien à foutre. Nadège Lacroix, croyez-vous que le légume le plus couillu ou le plus téméraire soit le pois chiche? Ouais, c'est pas faux. Nadège Lacroix, combien font 32 moins 18? Nadège Lacroix, voulez-vous coucher avec moi ce soir?
J'aime me beurrer la biscotte. Nadège Lacroix, vrai ou faux, la capitale de l'Espagne est Barcelone. Ouais, c'est pas faux. Nadège Lacroix, qu'est-ce qui te fait rire en général? C'est simple à faire. Nadège Lacroix, on se concentre. Hein. Il y a une place en jeu, il y a 10 places en jeu les soirs. Nadège Lacroix, est-ce que dans le monde merveilleux de Martel, Barbie s'est-elle déjà fait Ken? Belle Ariane, merci. Excusez-moi, je me fais chier, donc je pose des questions. Nadège Lacroix, combien y a-t-il de O, la voyelle O, dans la phrase Yo, gros? Je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok? Je t'aime, toi. En 2001, Nadège Lacroix, sortie tout droit de l'émission Popstar sur M6, de combien de membres était composé le Boys Girl, les L5? Hey, moi, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta mère. Nadège Lacroix, vrai ou faux, Nabila Benatia est pressentie pour recevoir cette année le prix Nobel de chimie. Ah, t'es vraiment un sale petit con, hein. Nadège Lacroix, dernière question. Connaissez-vous l'histoire du con qui dit non? Tu démutes et c'est à toi. Ah, j'ai oublié son putain de prénom. Je t'écoute, Nadège. La France t'écoute, la planète t'écoute. Ah, ça putain, marche ça pas sans mute. Attends, ça marche plus, bouge pas, bouge pas. On refait le même principe. Tu ressors et tu rentres, d'accord. En attendant, je vous donne une indication. Les deux. Oui, j'ai des propositions, moi. Vas-y. Alors, il a deux activités en même temps, c'est bien ça? En même temps, non, parce qu'il n'aurait pas pu les faire en même temps, mais en tout cas, il avait deux métiers, oui. Alors, c'est soit Batman. Youpla. En 1900, Batman. Ouais, mais une version. D'accord, d'accord. Style. D'accord, c'est non, c'est pas ça. C'est pas Batman. Non. Alors, j'ai une deuxième. Ça, c'est un Français. J'ai une deuxième, justement. Bah, peut-être avancer ça. Est-ce que l'une de ces deux activités, c'est écrivain? Oui. Et aviateur. Et aviateur, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry! Bravo! Excuse-moi, Nadège, pendant qu'on te démute, on a fait le joli t-shirt. Bien, c'est tout. Alors, on t'écoute. Donc, j'ai l'impression que je suis dans ton film, Eric. Hein. J'ai pas envie de. J'ai bien l'impression qu'il va falloir que je réécrive une séquence cet après-midi, parce que si je file des rôles à tout le monde d'ici la fin du confinement, ça va être les 12 commandements. On a Sylvie sur Insta qui trouve toutes les réponses. Elle avait trouvé pour Saint-Exupéry. Ah ouais, ben j'aurai une scène avec elle. Voilà, super. Et je t'offre le t-shirt, Sylvie. Vas-y, ouais. Vas-y, ma Nadège. Ne noie pas le poisson. Ne noie pas le poisson, Nadège. Je sais que tu essaies de me détourner. C'est la première question. Est-ce que tu veux que je te. Quelle heure il est à Ajaccio? C'est une heure de moins. Non, c'est pareil, c'est pareil. Ah, pareil. Alors, midi. Ça marche. Ok. Ensuite. Je sais pas, c'était il y a longtemps. Joker. Ouais, chiche. Alors, j'ai pas compris, moi, cette question. Alors, je te la refais. Crois-tu que le légume le plus couillu, le plus téméraire, soit le pois chiche? Chiche, tu sais l'expression quand on dit chiche, attendez, parce que là, on l'a en gif. Ok. Je te l'accorde. Attends, fallait aller chercher. Ok. Troisième question. Pour l'instant, t'as bon. Donc, midi, oui. À la 3, t'as répondu oui. Non. Elle réfléchit. Pois chiche, oui. Oui, pois chiche. Le 2-18. Ça fait midi, oui. Ça fait les deux premières questions. Pois voilà. Midi, après, oui. C'est quoi? Ah, 2-18. Parce que t'attends qu'on te redonne les questions. Ah, après, c'était. Qu'est-ce que tu. Ah, parce qu'ici, c'était cette tête de pervers. Ah, est-ce que tu peux coucher avec moi ce soir? Donc, c'est non. Voilà. J'aurais pu jamais fait. De la vie, c'est déjà drôle. C'était sympa. Je veux voir ma vie. Ensuite. Il y avait un calcul avant. Calcul. Ah, 32-18, 14. Bien. Ouais, ensuite, tu l'as dit. Madrid. Espagne.
Yeah, l'Espagne, puisque Barcelone, évidemment, Catalogne. Madrid. Après, Barbie. Oui, non, elle s'est pas fait qu'elle, elle a pas de chatte. Non, t'as jamais remarqué, quand t'es bébé, tu sais, t'enlèves tous les fringues de ta Barbie, elle a ni téton ni rien. Elle est tout cassée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la cruche, hein. Eh bien, écoute, non, parce que nous, on a une enfance heureuse, on n'a pas eu des maltraitances comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette Barbie. Enfin, moi, mais non, mais quand tu changes les fringues... Mais, non, mais normalement, ils devraient mettre une culotte sur la Barbie. Et elles n'ont pas de culotte, mais elles n'ont rien. Alors, c'est plus bizarre. Moi, je trouve que sur les Barbies, il faudrait intégrer une culotte qui ne se retire pas. Et parce qu'elle n'a pas de gazette. Parce que quoi? Elle n'a pas de gazette. Elle n'a pas de gazette. C'est mignon, la gazette. Ben ouais, c'est que je fais. Personnellement. Écoutez, alors ce débat qu'on ouvre sur la chatte de Barbie m'intéresse beaucoup, mais moi j'aimerais qu'on vienne au jeu. Donc... C'est quand même le burger le plus long gros. Du monde. Infaisable. Yo, gros. Allez. Après. Hakuna Matata. Après, c'était quoi hein? Yo, gros. Ah, yo, gros. 9. Ah, c'est fou. Mais super ton spermatozoïde, Jenny. Allez, next. C'est quoi, celle d'après? Celle d'après est là, les enfants. Et L5. Elles sont 5. Incroyable. Ça marche. Franchement, je ne sais pas ce que je connais Louise Joseph personnellement, c'est pour ça. Mais qui, franchement, je n'aurais jamais eu la réponse. Non, c'est pas du tout les To Be Free. Tu n'as pas compris la question, Thierry. Rien à voir, j'ai pas compris. Ensuite, il en restait 3, je crois. Non, 2. Oui. Est-ce que tu es épilé? Tu n'es pas épilé? Est-ce que tu as des copines? Tu n'as pas de copines? Est-ce que Nabila va recevoir le prix Nobel de chimie cette année? Ça m'étonne. J'en ai rien à foutre. Mais tout est possible. Bien sûr. Et enfin, la dernière, c'était, je ne sais même plus ce que c'était. Ben non, mais c'est bon, t'as tout bon. Ah si, est-ce que tu connais l'histoire du con qui dit non? Oui. Yeah. Xavier, tu gagnes toute place par Nadège Lacroix. On a fait le truc, on a tout fait, le conducteur part en couille, et bien nous en arrivons. Pour les 10 dernières minutes de l'émission sur le blind test final, tu joues contre le reste du monde. Oh, c'est parti, Sam Blackster. Didi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare. Kendall démarre, Esprit, Lemon, Jeezy, DZ, Fifi, Jeezy. Rally, stressing, musique, streaming, bouteille, parking. Et c'est parti pour le blind test. Ce soir, c'est un blind test. Quoi les équipes? On va faire un blind test spécial girly. Ok, c'est officiellement girly. Il n'y a que des nanas qui chantent dans ce blind test. Alors, non, les gars, je vous explique, il n'y a plus d'équipe. On est dans le nouveau monde, comme dans l'ancien, c'est chacun pour sa gueule. Juste, il y a un petit truc. On a El General qui est avec nous ce soir. Je sais qu'il est très, très fort en blind test. Du coup, au lieu de mettre les morceaux normaux, de manière très normale, je vais mettre un petit effet dessus, d'accord? Donc, il va falloir voilà. Prouver alors qu'il y a un effet dans le morceau, d'accord? Est-ce alors... que tout le monde est OK? Ouais, ça va être compliqué pour moi. Il y a des morceaux des années 90, il y a des morceaux actuels, il y a des morceaux qui n'existent pas encore, c'est magnifique, vous allez voir. Alors, Pardon, vas-y. Non, tous les morceaux sont super connus, donc normalement vous devriez... Voilà. Je voulais juste dire, pour que ce soit interactif pour tout le monde, on est obligé de prendre un peu de temps, donc je vais vous demander de muter pendant le son, qui va durer 30 secondes. Ah mais moi, chaque fois, je me casse. Alors d'accord, donc toi... Tu me fais la promesse, Nadège. Oui, de ne pas parler. Et le premier lève le point et je jugerai au jugé qui aura la parole. Sam Blackster, c'est à vous. Pour les internautes, Ambre, tu as les internautes sous les yeux. Eric aussi, tu les as. Ok, absolument. C'est important. Donc, alors, ça va se passer comme ça. Je vais vous mettre un extrait avec l'effet et on va le laisser jusqu'à la fin. Et une fois que l'extrait sera passé, on donnera la réponse et on vérifiera sur le refrain sans effet, évidemment. Ok, c'est parti pour le blind test. Attention, on commence tout de suite. 3, 2, 1, let's go. Allô? Laisse-moi ma caisse. Alors, pardon, c'est pas ça. Autant pour moi. Coucou, elle connaît Juan Dalou, Toulouse. Connaît Ron Amalu, boule. Let's go, c'est parti. Ok, Nadège Lacroix.
Nana man and torn. Nana man and man. Nana's how I feel. Alors attends, alors. Et qui chantait déjà Nathalie Mourilla. Nathalie excusez-moi, comme je suis en train, en même temps que tu passes des sons, remonter le fil. Pardon, Aude, tu avais gagné le blind test bien avant tout le monde. Bravo à toi, ma chérie. Bisous, bravo. On enchaîne. Coucou Aude, c'est parti. Bah, bravo Nadège, bravo. Premier point pour Nadège. On enchaîne. Deuxième morceau, let's go. Alors, excuse-moi, moi je l'ai, c'est un mec qui klaxonne sur le périph. Absolument pas. Ambre Ferrante qui joue avec Taylor Swift. Ouais, on vérifie. Alors, bravo. Tiens, je vais vous mettre ensemble, les filles. Comme ça, voilà, vous êtes en duo. C'est Girls Power ce soir. Elle Rénérale, je suis très déçu. Autant à la radio, quand on t'entend pas. Mais alors, visuellement. Il écrit plus vite qu'il parle. Ouais, non, mais attends, c'est ça. Hey, mais frérot, le mec écrit plus vite qu'il ne parle. moi, j'ai flippé. Hein. J'ai cru que le mec était sourd. Hein. Sourd et muet, quoi. Je suis plus calé sur les vieux trucs. Il y en a pour tout le monde ici, de 27 à 55 ans, et tous, même 56, pourquoi pas. Allons-y, mon Sam Laxner, c'est à vous. Allez, Nadège. T'es avec Ambre, hein. Vous jouez toutes les deux. Prochaine, attention. Le point, on lève. On se mute, s'il vous plaît. Let's go. Alors, T'es muté, Eric. Pardon, coucou Nina Strassel, bisous. On me dit. Alors, excuse-moi, Sam, alors c'est Ambre qui avait la réponse en premier, mais j'ai une réponse à Talette. Je la donne avant ou après, Sam? Non, on va la donner après. La réponse à Talette, elle l'a forcément. Vas-y, Ambre. Shania Twain. Est-ce que tu as le titre de la chanson? Bon, en général, il faut qu'on se refasse la prise, là, ça va pas du tout. Alors, je fais les... Bravo, bah bravo les filles, c'est... Nina l'avait, c'est ça? Nina, j'ai juste un petit coucou. Juste, je fais le compte sur les points, comme je suis impartial et que je vais être dans ce nouveau monde des femmes qui vous allez gouverner parce qu'il est temps que vous preniez le pouvoir. Je serai votre premier ministre et vous êtes, avec trois chansons, vous êtes à 23 contre 2 points pour l'équipe adverse, je suis désolé. Donc Nadège, tu mènes et c'est reparti. Joe Brami qui dit, je tiens à dire que je n'ai pas eu ma chanson quand même. Moi, je te l'avais préparé, Joe. Et Sam ne te l'a pas mise. Non, si, je lui ai mise. Et tu sais quoi, je lui ai mise dans le blind test à la fin parce qu'on n'avait pas la place. Ah ouais. Mais Joe, j'ai un cadeau pour toi. Joe, j'ai un cadeau pour toi. Tu feras la première partie de Gabriel Frances au Blanc Manteau le lundi à 17h15. J'ai un super cadeau. Le rate pas, je ne me fous pas de ta gueule. Il te donnera une leçon à 280 au cinéma. Allez, on enchaîne avec Nadège. On enchaîne, s'il vous plaît. C'est parti, prochain morceau. Merde, il y a un mec qui me dit que je suis sur Shazam, c'est trop facile. Chut! Pardon, mais attends, Sam, juste, c'est pas du jeu, les gars.
Il y a un gars qui me dit depuis tout à l'heure, je trouve, mais je savais pourquoi. Tu vas sur Shazam. Ne va pas sur Shazam, c'est pas du jeu. Allons-y, pardon, Sam. J'ai. Ah, j'ai. Alors, ça te. Nadège, c'est bien. Nadège, c'est bien, mais le concept du jeu, c'est un concept de jeu de rapidité. Oui, mais moi, tu sais pas, mais il y a Björn Borg là-haut qui est en dépression parce qu'il a perdu sa raquette, qui va nous donner la réponse. Le général. Toutes les femmes de ta vie. On vérifie. Toutes les femmes de ta vie. Joe Bramy avait trouvé et en même temps il demande qui est Gabriel. Manique, humoriste parisien. C'est ça. Écoute, private joke. On embrasse Joe, on embrasse Gabriel, on embrasse tous les copains. Bien sûr. Les points, s'il te plaît, Eric. On en est où? On est à 76 pour Nadège et moins 16 pour l'équipe Boule Björnborg. Alors c'est le dernier morceau. Alors donc. Alors attention, dernier morceau, parce qu'on est dans un monde injuste. Parce que le monde que nous allons créer va être bon, mais il y aura une transition. Nous sommes dans cette transition virtuelle. Donc j'annule tous les points. Celui qui gagne ce challenge gagne. Je ne sais plus ce qu'il gagne, mais il gagne un truc. À tout de suite. Concentration extrême. T'inquiète, t'inquiète. Nadège ne va pas nous faire un AVC, s'il te plaît. Nadège, c'est le point. Comme ça, moi, t'es la première. Ça marche si tu l'as. Allez. Ouais, bonjour, banane. Tout à l'heure. Alors attention, attends, je vais te dire, attendez avant de répondre, j'aimerais faire un truc. Les deux filles, vous l'avez ensemble, j'aimerais qu'à 1, 2, 3, vous me le dites ensemble, d'accord? Ambre, si tu veux. Ambre, il faut qu'elle se démute. Il faut vraiment qu'elle traduise le mot mute avant la fin, 8 juin. Attention, Ambre, je te disais donc, Ambre, qu'à 1, 2, 3, tu vas répondre en même temps que Nadège la réponse. Attention, 1, 2, 3. Ménélique ! Ménélique ! Elle ne l'avait pas ! C'est quoi cette escroquerie ? Mais c'est une escroquerie, putain ! On réécoute. Ambre Ferrand, je t'aime. Escroquerie. Bravo, Nadège. Il y a un décalage. Bien sûr, bah, évidemment, le décalage. Évidemment, on le connaît, le décalage. Alors que El Général finit sa cartouche. Ouais. Général là. Mais c'est Mémé. Le général répond. C'est garçon. Coxy, garçon. Ah ouais. Sam, mon chéri. Ouais. Est-ce que tu auras un truc bonus? Je peux pas laisser gagner ce mec avec le bandeau de 83 dans Langarros. Il faut que ce soit la dèche qui gagne. Est-ce que tu as un petit bonus? Parce que c'est la vie. Est-ce que tu as un bonus? T'as un bonus ou pas? Ouais, je peux avoir un bonus. Ouais, ça va aller très vite. Accordez-lui une demi-heure. Le bonus va être très vite. Vous êtes prêts? Attention, c'est un bonus rapide. Fais gaffe, Björn Borg, t'envoies ta. Attention. 3, vous avez entendu? 2, 1. On m'appelle Jules. Ah, c'est horrible de gagner sur ça, mais. Ouais, c'est pas terrible de gagner sur Jules. On reste sur Jules, désolé. Nadège, bravo. Je sais comment on va départager. Les départager. Ah ouais, là, c'est nul, Jules. Là. Ah oui, c'est un peu nul. De mais bon. Quel film cet extrait est-il pro? Nadège, un bisou de la Martinique sur Instagram. Ah, cool. Bisous. Quand vous faites-y mal. De quel extrait, de quel film est extrait cet extrait? Alors, il faut muter pour bien entendre, les enfants. On va bien l'entendre, t'inquiète pas. C'est parti. Tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand. Pas de problème. Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais. C'est vrai, tu m'impressionnes. Ouh, enfin! Arrête de me coller aux nageoires. Quel film? C'est alors mignon. Vas-y, mignon, les filles, je l'ai. 1, 2, 3. Nadège aussi. 3. Nemo.
Oui, c'est les mêmes. Bravo. Égalité parfaite. On se met sur une égalité parfaite. Qu'est-ce que tu as dit, Nadège? C'est Dory. C'est Dory. Ouais, c'est Dory. J'adorais les dessins animés. Ouais, Dory l'exploratrice, j'adorais ça. Nadège, on arrive au terme de notre émission. Tu as été un amour, il y a eu des réactions de fou. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, juste avant, je t'explique comment l'émission se finit. En fait, là, on va se faire des petits cadeaux virtuels. Ensuite, nous allons finir avec notre ami Sam Blackster qui, tous les jours, nous fait le freestyle de l'actu. C'est quelque chose qu'il improvise tous les matins. C'est un génie des mots. C'est un savant. C'est dingue ce qui se passe. Donc, à la fin, on se mute, on écoute Sam. Et à la fin de la chanson, on part tous de notre salon. Vous restez connectés, on coupe le direct, on se fait un petit débrief, après on se fait un petit bisou à tous, d'accord? Donc en attendant, Nadège, je t'offre, comme je suis le maître de cérémonie de cette soirée, mais sans vous, je ne serais rien, je serais une crotte de chien, je ne serais rien. Je t'offre, pour ton homme, je te fais un cadeau pour ton homme, parce que je vois le look un peu, j'aime Viking, j'aime l'Allemagne, je t'offre, donc ces magnifiques tongs, je t'aime ces magnifiques tongs allemandes, et je veux un jour les voir. Et je vais porter des moufles. Le pire, c'est que vous allez porter en plus. On adore. Bah, je veux les voir cet été dans une Insta Story. C'est un challenge, ma chérie, avec une petite dédicace pour moi, avec chacun chez toi. Parce que sachez tous qui nous écoutez, on va continuer l'aventure après le confinement, certainement une fois par semaine. Tout ça est en train de se mettre en place. Ça se passe tellement bien. On va être la première émission Insta Live, Facebook, YouTube, sur la planète Terre, Mars. Nadège, tu es dans ce salon maintenant quand tu veux. Si un jour tu t'embrouilles avec ton mec, ça va pas bien, un petit truc, t'as envie de te faire un petit blind test, toc, 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 on t'ouvre la porte, tu es maintenant ici chez toi, merci de tout l'amour que tu as apporté ce soir. J'ai un cadeau pour toi aussi. Attends, mais moi aussi, mais avant, est-ce que tu as un petit mot à dire à quelqu'un qui serait loin, que t'as pas vu depuis longtemps, un bisou, voilà, est-ce que t'as quelque chose à dire à quelqu'un qui est dans le monde, qui t'écouterait? Alors, si tu n'as pas d'amis, c'est pas grave, tu as des followers, tu peux toujours te rassurer. Qui porte d'habitude, qui ne me voit pas depuis 3 semaines, toutes ces coupes de champagne que je n'ai pas bu, à toutes ces fringues que je n'ai pas pu acheter. Tellement d'accord pour un champagne. Que je n'ai pas pu prendre. Vous me manquez. Merci Nadège, merci ma chérie. Écoute, les invités aussi, avant que tu me donnes ton cadeau virtuel, parce qu'ils n'en ont pas pour l'instant, ils vont te donner aussi leur cadeau virtuel à eux. Allez-y les gars. Ouais. Qui qu'il mange des chips, qui mange des chips, arrête de bouffer, il va faire 200 kilos l'autre en sortir, hein. Il bouffe des chips, là, qui bouffe des chips. Vas-y, boule. Je t'offre le DVD de OSS 110 parce que j'aime adorer la biscotte. Les enfants, je vous lance le pari. Oui. On va continuer à la fin de ça. Quand on va se retrouver à la Libération, on va tous se croiser. Je voudrais que vraiment les cadeaux virtuels qu'on file, on se les donne quand on se retrouve et on fait tous un post si on se retrouve en octobre ou 17 juin. On se retrouve avec le truc, on se fait une photo et on se fait un petit buzz là-dessus. @ chacun chez toi. Vas-y, Boule, pardon. Justement, je faisais participer notre invité du soir, El Général. Est-ce que tu as un cadeau pour notre guest, Nadège, s'il te plaît? Ouais, j'ai un portrait. J'ai un petit masque de Rambo. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et voilà. El Général. Merci, El Général. C'était pas ma guerre. El Général. On est d'accord que celui-là, c'est le 1. C'est le 1, ouais, tout à fait. Un. Parce qu'il n'y a pas le bandeau rouge sur les autres. Et oui, ouais, c'est ça. Ah, excuse-moi. Non, parce que je sais que... C'est tout un concept chez lui. Peut-être que maintenant que j'ai lancé un appel pour tout à l'heure, il y avait des nanas qui disaient, maintenant qu'ils savent que tu es avec un bandeau rouge et un masque de truc, je ne sais pas si tu vas trouver des gens pour le confinement. Ça, on me dit, je l'ai déjà vu, donc faites entrer l'accusé. Voilà. Ouais, mais apparemment, il a du rhum coca et des clopes. moi j'ai un cadeau pour toi, Nadège. Tu es sur le lac, donc voilà. Oh, c'est bon. Quel poète. Quel poète. Voilà. C'est exactement ça. Trop mignon. Moi j'ai un cadeau aussi, Nadège. J'ai compris que tu souffrais de ne pas pouvoir sortir, donc je t'offre un petit sien. Ah, trop mignon. Il est beau. Merci beaucoup. Il est trop canon. Il est canon. T'as un sauteur. On adore, c'est trop mignon. Et Ambre, comme on va sortir et que ton enfant aura 12 ans, tu pourras lui filer, il s'en foutra totalement puisqu'on sort dans 12 ans. C'est clair. Parce que si tu lui donnes ça, je pense qu'il va... Il va t'en vouloir à vie. écoutez, on a passé le super... Moi, je vous conseille un bouquin. Et parce qu'on cadeau. A tous du temps. Qu'on... Ah ouais, attends, elle a un cadeau pour toi. Oui, alors, pardon, chérie. Moi, j'ai un cadeau pour vous. C'était pour toi, Eric. Et c'est quelque chose... Mais on est un lien. Très, 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 très précieux. Mais vous pouvez le partager tous ensemble. Alors, attention, vous êtes prêts. Merci. Du PQ. Wow. Oui. Merci. Écoute, chaque caresse,
chaque caresse pour, sur mon fessier qui balayeront les déchets qui en sortiront. Je penserai à toi par chaque feuille, feuille après feuille, jusqu'au bout du rouleau, Nadège. Je t'aime jusqu'au bout du rouleau. Tu es un amour. Merci pour tout. Bonne continuation à toi. Merci aussi. Nadège, merci pour le confinement, mon courage. On revient à l'Underground Comedy Club quand tu viens, quand la prochaine fois que tu reviens. Et puis, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir ou qui nous suivent en replay, n'hésitez pas à faire un petit don dans la petite cagnotte, le pot de cagnotte. Important, oui. Merci, Nadège. Merci. Et d'ailleurs, attendez. Il y a plein d'endroits qui font des trucs, qui ne gagnent pas salaire et qui font des masques et qui aident et qui vont faire les courses pour les petits vieux. Tout ça, c'est autant important que le reste. Donc voilà. Exactement. Merci, Nadège. Et d'ailleurs, je tiens à dire que tu as été la première à contribuer cet après-midi. J'enlève moins pas de mon temps, mais il est conséquent. Merci beaucoup parce que tu as été la première personne invitée. C'est normal en même temps pour les autres. Merci à tous les aides-soignants, tous les soignants, tous les gens qui font le ménage dans les salles d'opération. Tout ça, on vous aime, on vous kiffe. Et bisous. Yes. Voilà. Bien sûr. Et bisous à toi, ma nièce Inès. Tous les jours, je te le dis, je suis fier de toi. Je sais que tu as choisi ce métier et que tu es un peu en panique. Mais t'inquiète pas, tout ce que tu fais, c'est formidable. Et c'est toi aujourd'hui qui sauve la France. Donc tu peux être fier de ton oncle qui est un soldat de l'humour. Et toi, tu es un soldat du cœur. Je t'embrasse, je vous aime tous. On se retrouve demain, 20h le live, 21h pardon, le live avec Monsieur Sam Blackster avec qui nous allons finir. Dès que t'es prêt, frérot, tu me le diras. Ouais, je suis prêt, justement, je fais un morceau pour le personnel. Général, salut, à la prochaine. Je t'ouvre la porte. Ah, t'as un truc à dire? Non, merci à vous de m'avoir accueilli. J'ai perdu ma raquette. Et quand vous voulez. Merci. Merci à vous. T'es jamais très loin. À très vite. Salut, mec. De toute façon, Sam, j'allais te laisser le micro pour présenter le truc. T'inquiète pas. Moi, je vais me muter parce que j'ai assez ouvert ma gueule. Je vous aime. Bisous. Nadège, à la fin du morceau, on se décadre. Et quand on entendra, on n'est plus en direct. On se fait un petit débrief. Et après, on te fout la paix. Merci d'avoir joué le jeu. On t'aime. Avec continue. Bisous. Salut les rubriquards. À demain. Salut, Boule. Salut. Merci, Nadège. Salut tout le monde. Blackster, c'est à toi, mon frérot. Fais-moi foutre le feu sur les réseaux. C'est parti, les amis. Évidemment, Nadège vous a parlé de tous ceux qui œuvraient contre le Covid-19. J'en ai fait un petit morceau. Ça s'appelle Covid-19, sa mère. Voilà, et c'est tout de suite dans le freestyle de l'actu. Chez toi, bordel, c'est pas compliqué, je te lis en français. On a la tête sous l'eau pour respirer, faut plus que des branchies. Virus est à la mode, à l'hôpital même, les vieux sont branchés. Espérons que ça ira mieux une fois que le gros beat sera franchi. On est en état de guerre, c'est clair, c'est comme à l'époque d'étrangers. On dirait Walking Dead ou un mauvais livre de Tom Clancy. La planète a respiré quand notre économie a flanché. Ça fait rire comment? Ça c'est Joe Pesci dans Les Affranchis. Ce soir, lève ton verre de picon, les infirmières viennent toutes de crypto. Reste chez toi, c'est nouveau dicton. Covid-19, c'est pas une fiction. Entre 4 heures, j'ai envie de bouger. Mais jusqu'à 16 heures, je reste couché. Toute la journée, je suis tellement bourré. Comme Superman, je traîne en slip rouge. J'essaie vraiment d'être créatif, mais en vain. Une rime pauvre riche de sang, c'est le paradoxe de l'écrivain. En 2020, les vrais super-héros portent une blouse blanche. Big Pharma, ton lobbying, tu peux te le mettre où je pense. Ça Marseille, professeur Arouche, joue les Okage sans le Jakku. Comme dans Naruto, son meilleur coup. Hydrochloroquine, juice, quand tu vas faire des coups, c'est anxiogène à l'extérieur. C'est moi ou elle est vraiment chelou cette saison de Massinger. En Suède, c'est inadéquat, pas de confinement, c'est pas un vrai choix. Le Covid se répand comme le feu grégeois, donc une seule règle, c'est chacun chez toi. Sur les réseaux, je suis comme tout le monde, je pose mon rap, rap, rap. Et à 20h, j'ouvre ma fenêtre pour un gros clap, clap, clap. Reste chez toi, bordel, c'est pas compliqué, je lis en français. On a la tête sous l'eau pour respirer, pour tout que les branchies. Virus est à la mode, à l'hôpital, même les vieux sont branchés. Espérons que ça ira mieux une fois que le gros beat sera franchi. On est en état de guerre, c'est clair, c'est comme à l'époque d'étrangers. On dirait Walking Dead ou un mauvais livre de Tom Clancy. La planète a respiré quand notre économie a flanché. Et ça fait rire comment? Ça c'est Joe Pesci dans Les Affranchis. C'est clap clap clap, c'est clap 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 pour le personnel hospitalier. C'est clap clap clap, c'est clap clap clap, c'est clap 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 pour les caissières, les éboueurs et morts. C'est clap clap clap, c'est clap clap clap, c'est clap 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 pour les transports, ceux qui travaillent encore. C'est clap clap clap, c'est clap clap clap, c'est clap clap clap. Et bah faut tenir bon même si on craque, craque, craque. Prenez soin de vous.